Eh ben voilà! Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, là je démarre le direct. J'aime bien la musique d'intro. J'ai pas fait mon cadrage, mais c'est pas grave. Oh, on est relax, on est entre. Enfin, on est dans la période des fêtes, là, on est entre Noël et Nouvel An. Ça fait du bien, je me sens de mieux en mieux jour après jour, c'est vrai en plus. Putain, c'est dingue. Voilà, je démarre Peinard Pépouze à 7h et des brouettes là. Non, merde, comme ça. Faut que je pense que c'est inversé. Donc, on va continuer les derniers rites là, le jeu de FPS rétro des années 90 que j'aime bien, qui est très particulier. Mais normalement, j'ai pris le temps de bien peaufiner mes réglages et tout le bazar. Donc voilà, je laisse un petit peu les gens arriver histoire de voir l'action, puisque j'ai trouvé l'endroit où j'étais bloqué la dernière fois et j'ai sauvegardé juste devant pour que je puisse vous faire partager la suite de l'action des aventures. Voilà. Ah, voix du Dieu. Alors, si je devais, conditionnel, avoir un souci, je prends ma tablette, que je vous monte à l'envers, qui me permet de suivre ce qu'il y a dans le chat et faire un peu la modération. Il devait y avoir des pépins, mais en général, il n'y en a jamais. Tiens, d'ailleurs, je vais me faire un coup de la pêche avec Cybermatou, honteusement. Et j'ai gagné un gobi 2001. Bah, j'allais dire, je suis bête, je vous montre, mais en fait, vous voyez sur le retour du chat sur le côté. C'est ridicule. Ah, vas-y, Diou. Voilà, il me dit que je suis en prise d'antenne. Le digi digi ding, qui signifie que je suis en ligne et que mon direct a commencé à émettre. Ah, c'est beau ça. Eh ben, c'est bien, on va commencer à faire mes muses. Hop là. Oh mon dieu! Ouais, je vais garder le grand clavier sur les genoux en fait. Hic. Ah là 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 là. C'est quoi déjà le plan E? Ah, parce qu'il faut que je continue de travailler ma. Je sais même pas comment on lance là-haut. Que je continue à travailler mes scènes pour le jour J, je continuerai dans l'après-midi. Voilà le bazar. C'est n'importe nawak. Allez, zou, on retourne au jeu. Pouk. Attention. Projection plein écran. Oh mon dieu, je vois tout. Je vois tout, c'est terrible. Et je me demande ce que ça donne le multijoueur. Alors, on en était dans la grande surface. Putain, les vaches. Bonjour SDR. Oh, t'arrives au bon moment. Juste au moment où je reprends, tu vois, il y a un gros vilain qui arrive. J'espère que tu vas bien. Oh là là. Comme tu peux le voir, je me suis arrêté juste là où j'ai trouvé la partie que j'ai pas faite dans le supermarché. Et j'ai sauvegardé. Ouais, ouais, moi je vais très bien. C'est ce que je disais dans mon intro SDR, c'est que jour après jour... Putain, il m'envoie des trucs. C'est que jour après jour, je suis de mieux en mieux. Donc je récupère en fait de ma fatigue cumulée, si tu veux. Donc c'est cool, c'est cool. Alors je précise, je tiens à rassurer, je ferai plus de boulot cet après-midi. Cet après-midi, alors sur le début d'après-midi, je diffuserai pas. Je vais peut-être diffuser, peut-être conditionnel de 18h à 21h. On fait un relais avec FunFan et son Doom du soir. Mais rien n'est certain, parce que moi cet après-midi, il faut que je me fasse mes petites courses. Il faut que je fasse un peu de ménage et j'aimerais bosser la coulisse de ma chaîne. Mais on voit que j'ai un petit peu bossé ce matin.
Il y a le petit nombre de followers, là, les fidèles, que j'ai enfin rajouté, qui avait disparu, que j'ai réassemblé sur mon nouvel OBS. Tu peux ressaisir la commande agenda, mon cher SDR. Tu verras que je l'ai mise à jour ce matin. Parce que j'ai regardé ma précédente diffusion, j'ai vu que tu l'avais exécutée, que je l'avais pas mise à jour. Donc j'ai fait le nécessaire, tu vois, voilà. J'ai fait le nécessaire ce matin. J'ai même mis à jour l'agenda sur l'interface Twitch, la chaîne. Enfin bon, bref, j'ai un petit peu bossé quand même. Mais il y a encore des trucs qui sont pas prêts, mais bref, je ferai le nécessaire dans les heures qui arrivent. Voilà, voilà. Bon, bah c'est bien, ça s'annonce sous les meilleurs auspices. On voit que l'escalier là, je l'ai pas fait. J'ai pas fait d'escalier de cette forme-là. Jusqu'alors. Ouais, merci. Bah, j'essaie de bien bosser tout doucement. Ouais, je sais pas ce qu'il me lance, mais il me lance des trucs. Ah, est-ce qu'il y a un truc sous l'escalier? Ah non, je croyais qu'il y avait un... Ça, c'est un graffiti ou c'est un bouton? Non, c'est un graffiti. Ah, peace and love, oui. C'est horrible. Ah. Ah, la pauvre madame. Burke. Je vais m'occuper de son cas juste après. Quoi? A scavenger tech module. J'allais dire, elle m'ignore totalement la madame. Ouf. Ce jeu est horrible. Oh vache, c'est du monde. D'ailleurs, je vais peut-être changer d'arme pour rigoler. C'est quoi ça? Ah, c'est le lance-flamme. Un petit coup de chaud. J'ai quoi d'autre? Ah, je l'aimais bien le flingue là. Ouais, c'est tout pété, compliqué. Oh, je lance. C'est horrible. Je pique. Bah alors, c'est où, Saligo? J'arrive pas à voir l'objet qui me balance dans la tronche. En fait, si c'est une bouteille ou si c'est une hache. On dirait une hache. Ben, je suis sûr de rien. Alors, je vais te donner l'astuce SDR de comment j'ai vu que j'avais pas nettoyé le secteur là. En fait, on voit l'interrupteur est encore sur off. Il faut que je le mette sur on. Enfin, si j'y arrive. Alors, c'est là où le jeu est un petit peu mal foutu. Il faut vraiment être face aux interrupteurs pour interagir avec. Dur. C'est là, en fait. Comme c'est un balcon multi-étage, j'étais passé au rez-de-chaussée, j'étais passé au sommet, et à un moment, quand j'étais au sommet, j'avais vu un Gugus se promener là où je suis. Donc j'avais vu qu'il y avait un étage intermédiaire que j'avais pas fait. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai erré dans le supermarché, où j'ai essayé de mémoriser de tête le plan en 3D du supermarché, et me dire où est-ce que j'ai loupé l'accès de l'étage intermédiaire. Et voilà, j'ai fini par trouver, et puis il fallait que je continue là où j'avais sauvegardé, en fait, pour poursuivre la diffusion. En fait, faut bien regarder, c'est con, hein, mais pour un FPS 3D, là, de base, il faut quand même bien regarder en haut et en bas, et se repérer au niveau des étages. Donc là, si je recommence à interagir avec la commande... De volet d'entrée du supermarché, là normalement je pense qu'il va me dire que j'ai sécurisé l'endroit et que la mission est terminée. Voilà, tu vois, là le fameux étage intermédiaire. Bah ouais, mais je pense que c'est un peu l'intérêt de ce jeu. Alors il faut bien reconnaître que les textures sont un peu ternes et répétitives, c'est moins riche que d'autres FPS au niveau textures, mais
Je trouve que ça fait le défi du jeu. C'est-à-dire que ça t'oblige à faire un effort de mémorisation. Voilà, donc c'était le fameux endroit où on n'était pas allé, c'était le couloir là. Habituellement, on déambule là et on rejoint les autres accès. Voilà, il y a un escalator. Tac, tac, tac. Là, il y a un milieu intermédiaire. Là, on peut encore descendre. Tac, tac, tac. Et là, si je dis pas d'annerie, c'est là où il y a le. Alors là, c'est le sous-sol, là, je crois carrément. On a le panneau de commande de la grande entrée. Les volets du supermarché. Et c'est la mission, je le rappelle, c'est de faire de cette grande surface, la désinfecter et en faire notre future base pour éradiquer l'invasion zombie mort-vivant dans la ville. Alors attends, je te lis un peu. Ouais, très bien comme ça. Station, très marrant. Oui, c'est pas très marrant. Bah, il y a le côté glauque du jeu. Il y a le. C'est une ambiance, c'est une ambiance. C'est sûr que c'est le. C'est peut-être d'ailleurs, très honnêtement, le FPS le moins enchanteur que je vais faire. Il est vraiment. Ouais, il est vraiment. Enfin, il est terne, il est. Il est dans une ambiance macabre, lugubre. Voilà, on voit la grande entrée du supermarché. Bonjour Poupon, j'espère que tu vas bien. Bien le bonjour. Oui, avec la tasse café du matin, tu fais bien de le rappeler, moi aussi. J'ai mon café au lait. Et ça fait du bien. D'ailleurs, il faut que je le boive par petites gorgées régulièrement, ça va me permettre de conserver une voix claire. Que je puisse éclaircir ma voix. Bref! Pour dire, voilà, ça c'est le hall d'entrée, c'est le parking symboliquement du supermarché. Et là, je suis tout proche normalement de finir la mission, puisque j'ai désinfecté la zone. Faut juste que je retrouve le bouton à la noix pour fermer les volets. Non, alors ça c'est là d'où on vient, c'est le sous-sol du supermarché. Mais alors que j'ai déambulé 2-3 heures dans le niveau, j'ai encore du mal à me repérer, hein. Non, c'est pas là, là c'est un cul-de-sac. Ouais. Ah là 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 là. Il y a un faux air de Doom premier du nom. Ouais, c'est ça en fait. C'est ce que j'indique en fait en titre en haut de l'écran, c'est FPS rétro. Là, je suis dans une nostalgie de l'adolescence où je fais quasiment à tous les FPS d'avant Doom 93. Donc, on va dire tous les dérivés de First Person Shooters de Wolfenstein 3D, enfin basé sur le moteur Wolfenstein 3D. Et là, c'est l'Asterix que je connais pas du tout, que je découvre avec vous depuis dimanche, qui est un FPS assez bourrin, assez glauque, mais qui défoule, qui fait son taf, quoi. Putain, mais je vais retrouver l'interrupteur en question. Ah, je suis perdu. Mais il doit pas être loin l'interrupteur. Attendez, j'espère que c'est dans le truc en V, voilà, là c'est la grande entrée. Et l'interrupteur est pas loin. Ça, c'est la sortie de secours, il y a personne. Il y avait 2-3 clampins au début qu'on a trucidés honteusement. Merde, il est où le bouton Il y a un bouton de fermeture des portes dans le coin. Est-ce que c'est là? Non. Ah, ça doit être à l'opposé. Attendez, pardon. Je vous relirai dans 2 minutes dans le chat, mais là, il faut que je me concentre à faire un effort de mémorisation des lieux, parce que je suis en train de me planter au niveau du. Bah, les boutons sont pas là. Merde. Les boutons de fermeture du magasin. Je suis pas loin, hein. C'est forcément proche du rez-de-chaussée. Ça doit être à côté des portes, pardon. C'est beau ça. Ah, c'est juste une cache? Ça, c'est bizarre. Je m'en souvenais même pas. Je suis tout proche. Bonjour Romanus, qu'est-ce que tu? J'espère que tu vas bien. Ah, je suis tout proche de la fin du niveau.
J'avais repéré les lieux, j'ai déjà pu. Attends. Non, ça c'est déjà le. Ah, c'est pas possible! J'ai encore tourné comme un clampin pendant une demi-heure avant de retrouver le bouton. C'est proche de la. De l'entrée du magasin. Il y a la commande des volets roulants, là, des panneaux de. Merdoum. Attends, l'entrée, elle est là. Ça, c'est la grande entrée du magasin. Ah, c'est peut-être là. Oui, c'est là. Voilà, on le voit. Main door switch. Et là, normalement, c'est bon. Ça a pas l'air de marcher. Non. Non. Je comprends plus. Ne me dis pas que je suis encore coincé. Attendez. Une fois, j'avais tiré sur un interrupteur, ça avait débloqué la situation. C'est pas ça. On me dira en même temps, c'est ridicule. Non, ne me dis pas qu'il y en a encore. Mais je vais devenir fou. Ouais, faut appeler le vigile, ouais, c'est ça. Oui, j'ai déjà fait un épouvantable carnage. C'est pour ça que c'est vide au niveau des couloirs. Ouais, tu rigoles le coup de faire tomber des petits cailloux derrière soi, mais ça aiderait bien. Et normalement j'ai un radar, mais je sais pas pourquoi je l'ai plus. Ou alors c'est un bug du jeu, quand tu recharges la partie, il te le recharge pas. Ou alors j'ai un temps limité pour avoir le radar et les batteries ont sauté. Ah merde, j'étais confiant pour me dire j'ai fini le niveau et il me dit pas ok. Je rappelle le but de la mission. C'est nettoyer, désinfecter de tout occupant le. Enfin, occupant sous-entendu mort-vivant, le supermarché américain, là. Pour en faire une nouvelle base. Histoire de continuer l'éradication et le nettoyage dans la ville. Mais là, j'ai beau faire action, je comprends pas, ça marche pas. Oh non! Non, c'est pas possible! Ça veut dire qu'il y a encore du peuple? Je vois pas ce que j'aurais raté. Attendez, je vais retourner dans le secteur que j'ai mal fait. Ne me dis pas que je vais passer la matinée à tourner en rond et à pas trouver la suite de mon chemin. Je vais devenir fou. Ah, j'étais confiant en me disant, je vais. On va passer à la mission suivante et ça va décongestionner le rythme d'action. Et là que je me retrouve dans une matinée où je vais vous. Je vais tourner en rond. Non, ça c'est la sortie de secours. Attendez, il faut que je retrouve l'étage avec l'escalator. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Tac, tac, tac. Là, alors, je remonte à l'étage. Là, il y a la partie là, il y a la partie là. Je sais plus c'est laquelle des deux parties que j'avais pas faites. Ah ouais, cette porte aussi, elle m'intrigue. C'est la suite. Elle s'était pas ouverte jusqu'à présent. C'est donc la suite. Cool. Oh la vache, les niveaux sont vachement grands. Bonjour Olive. J'espère que tu vas bien. Je t'ai aperçu en matinale à 5-6 heures du mat. T'avais lancé ton direct. J'ai failli te faire un coucou parce que j'étais dans le réglage de la coulisse de ma chaîne. Et puis quand j'ai voulu te faire un coucou, t'avais fermé le signal. Donc j'espère que tu vas bien, Olive. J'espère que tu t'offres pas des insomnies. Et B. Le scénario de Day of the Dead. Ouais, je connais pas Day of the Dead. Voilà, niveau 3. Ah bah c'est le parking. Ah, il va falloir que je nettoie le parking. Alors au premier plan, j'ai le gros fusil à pépon. C'est quoi ça? Marque de sang? Burk. Ça, c'est bien fait. Ah, et les câbles électriques. Non, il faut que je descende un par un le. Waouh, il faut que je nettoie le parking.
Niveau 2. Mais il n'y a personne. Je dois reconnaître que c'est vrai que c'est le rêve pour mettre une base. Hein. Je sais pas quel matos on va mettre dans la grande surface, mais on va avoir l'équivalent d'une bonne grosse base militaire. Ah, t'arrives pas à dormir, merde. Ah, c'est chiant ça. Ah là 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 là. Eh bien. J'aurais presque dû sortir le lance-roquette. Il est où? Il est là. Cadeau. Voilà. Ça, c'est du bon usage de lance-roquette. Attends, faut pas que je m'expose là. Oh, ils vont lancer des trucs. Hop, on y va tout doux. Salopard. Merde, j'ai plus de munitions. J'ai la paix. Ah, je suis trop loin pour fusil à pompe. Faut être proche. Ouais, attention, je prends des risques là. Je m'expose. Oh là là, le carnage. Aïe aïe aïe, c'est sanglant hein. A l'époque les butresses étaient largement meilleures que les animations. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une sortie sur la route. Alors si on fait du supermarché une base. Il va falloir vraiment boucler la sortie voiture, si c'en est une. Oh putain, mais il y a du monde. Attends, je peux passer au travers? Attends, je vais regarder si je peux passer au travers de la rambarde, mais là... Tant pis, je suis trop loin en... Ah oui, je peux passer au travers. Putain, la vache, l'aventure continue. Je croyais que c'était une limite, mais non, je me suis mis moi-même une barrière psychologique. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh mon dieu! Oh, mais c'est un énorme générateur! Ben, je crois. Attends, ça va pas là, je suis pas à la bonne hauteur. C'est même dommage que j'ai pas de grenade. Oula, ça va saucer là. Là, ça va être plus loin. Et je rappelle que je suis toujours que dans la mission 2. Hein. La mission 2, j'y étais déjà dimanche pendant 2 heures. Ou pas loin de 2 heures. Je sais pas, il y a combien de missions dans le jeu, mais ils font durer le plaisir. Hein. Franchement, moi j'apprécie. Enfin, à mot pas illimité. Alors en fait, le problème c'est que j'ai un peu le. Je vous envoie un signal de mon jeu un peu tronqué, vous voyez pas le dessus. À cause de la barre de titre. Ça peut s'arranger. Attendez. Déjà, je vais sauvegarder. Si vous voulez, je vais mettre en valeur une autre scène que j'ai programmée où il n'y aura pas la barre de titre au-dessus. Attendez. Comment je fais? Attendez voir. Si je fais ça. Attendez. Non, c'est pas ça. Je rêve ou dans la scène là, j'ai pas la capture d'écran? Bah. Attendez, capture de jeu, capture de... Oui, j'ai un fond de...
Ah, j'ai pas de ma capture d'écran. Attendez. Bougez pas. Je vais la copier, je vais la coller dans le. Coller. Voilà. Sauf que le truc, faut que je le mette plus bas. Voilà. Alors, si je dis pas de bêtises. Attendez, ça c'est bien, ça c'est pas mal. Ça a l'air correct. Tac. Et là, normalement, si je reviens au jeu, si j'y arrive, ne me dis pas que le jeu a planté. Attends, voilà. Non, le jeu a pas planté. Voilà, là vous voyez le 212. Vous voyez en fait le truc de la munition. Par contre, j'ai un problème là maintenant. C'est-à-dire que j'ai plus ma projection plein écran. Voilà, qu'il faut que je retrouve. Ah là 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 là, que je puisse jouer. Putain, j'ai tellement de trucs en fait. J'ai pas assez d'un écran pour afficher toutes les fenêtres. C'est horrible. Voilà! Normalement, on a tout. Vous me voyez, vous avez tous les paramètres et voilà. J'ai mis en tout petit en plus. On voit quand même en tout petit au-dessus du chat le titre du jeu du moment. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Non, mais sois pas désolé pour le dérangement, Poupon. Tu fais bien de demander. Mais tu vois la preuve, j'avais même prévu le coup. J'avais bien vu que c'était un problème. Parfois, ma barre de tir est trop dessus. Et tu vois, j'ai préparé une scène en conséquence. Non, non, c'est très bien vos remarques. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Là, c'est bien, on a, j'ai envie de dire, le beurre, l'argent du beurre, la culotte de la crémière. On a la totale. Ah, je croyais qu'il y en avait plus. Oh la vache, la turbine, toi. Vous imaginez si on avait une centrale électrique dans chacun de nos centres supermarchés? Il n'y a pas d'interrupteur, ça fait trop flipper. Ah, chabot fluviatile pour Olive, bien joué. La pêche est bonne ce matin. Ah oui, c'est bien un interrupteur. Là, je fais le deuxième. Je claque. Emergency power supply now active. J'étais dans l'obscurité. Oh la vache. Oh la vache. Alors c'est dingue quand même. Oh là là, la barrière psychologique. Ouais, ce sont des petites villes parfois. Bah moi, tu sais, c'est ce que je me dis sur Nancy. On a une grande surface de jarre qui est vraiment grande, que j'appelle moi-même effectivement la ville dans la ville. Qui est le. Pardon pour nommer la marque, mais c'est un Cora, c'est à Oudemont. Et c'est vrai qu'il est énorme. D'ailleurs, une petite anecdote. Alors, vous voyez la barrière psychologique que je me suis mise, de voir la double rambarde, je croyais que je pouvais pas y aller. Et heureusement qu'il y a des zombies qui sont sortis du fond, parce que je serais pas allé instinctivement. Le jeu est vicieux. Une anecdote par rapport à cette grande surface que je viens de vous nommer. Il y a un homme qui est spécialisé dans la réparation des gros climatiseurs, mais des climatiseurs en plus en milieu difficile d'accès. Et il y a, je crois que c'était l'été dernier, il a été commandé par la grande surface pour remplacer la douzaine de gros ventilos qu'il y a. Quand je dis gros ventilos, ils ont la taille d'un lave-linge. Hein. Les ventilos en question, qui sont répartis sur le toit de cette fameuse grande surface. Et il avait été héliporté. En fait, pour l'occasion, il y avait un hélicoptère qui était nécessaire aux manœuvres. En fait, il s'est fait plaisir. Il a dû avoir les autorisations en fait des responsables. Et c'est rigolo. Il se trouve que sa maman a l'intéressé au spécialiste. Sa maman vit dans le Grand Nancy. Elle lui a proposé un repas insolite et il a déjeuné avec sa maman sur le toit de la grande surface. Comme on était en été, il faisait vachement beau.
Et il y a eu un cliché amusant du journaliste où on voit donc le spécialiste en train de déjeuner sur une table improvisée sur le toit de la grande surface avec sa maman. Je trouve c'est le genre d'info insolite que j'adore. Voili voilou. D'ailleurs, avec un peu de chance, sans déconner, je pourrais presque vous partager l'article. Parce que je l'ai sûrement sauvegardé au format PDF. Je dois l'avoir quelque part dans mes archives. Alors, vous voyez, quand je vous raconte des anecdotes, que ce soit des anecdotes de ma vie personnelle ou des anecdotes liées à l'actualité ou historique, en fait, j'arrive à entretenir ma mémoire de cette façon-là. C'est-à-dire que je suis un peu comme un papy, qui lit le journal régulièrement et qui découpe les articles qui lui intéressent. Et en fait, je le fais virtuellement parlant, en sauvegardant les articles, les pages que j'ai sur mes écrans au format PDF. Je fais une capture en PDF et j'archive des tonnes. J'ai plein, plein. Rien que ma fameuse tablette, qui me sert en gros de liseuse, j'ai toute une partie de sa mémoire que j'ai programmée en balançant tous les PDF que j'ai. Donc je me retrouve avec ma bibliothèque sous la main, quoi. Dont les 10 articles, les fameux articles de journaux. Et je me relis de temps en temps. Ce qui me permet, moi, par association d'idées, d'avoir du propos. Et voilà, spontanément, je peux vous raconter ce genre d'histoire. Voilà, je m'amuse avec mon compte de modérateur Cybermatou à faire le coup de la pêche. Bah là, j'ai perdu. Moi, pour ma part, c'est ça, amasseur compulsif virtuel. J'aime bien ta formule, Poupon. C'est ça. Bref, on va retourner au gros interrupteur de l'entrée. Waouh, sanglant. Et normalement, la mission est terminée, je crois. Là, on croise les doigts pour que enfin je peux activer ça. Faut que je retourne sur le toit. Ah, faut que je retourne sur le toit. Voilà, j'ai verrouillé l'entrée parking. Oh là 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 là, faut que je retourne sur le toit. Il faut que je retrouve le chemin du toit. Oh là là. Alors, la contradiction, c'est voilà, c'est par là. J'adore l'effet de lumière. Putain, c'est bien fait. La contradiction des lieux, c'est qu'en fait, il faut aller dans les sous-sols, voilà, dans la partie privée chargement du supermarché, pour accéder au toit, en fait. Voilà, je crois que j'étais arrivé par là. Là, vous pouvez voir, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, vous pouvez voir que c'est un sacré dédale. Et encore, je vous passe la partie non utile que j'ai dû nettoyer où il y a plein de. Vous voyez, il y a des bêtes de chargement. Moi, j'étais au tout début. Tiens, c'est quoi ça? Autant prendre du matos que j'ai pas ramassé au début. Voilà, on est arrivé par là. Tac, tac, tac. Putain, ça fait trop bizarre de voir le couloir éclairé. Je suis habitué de le voir en super sombre. Voilà, l'ascenseur me remonte. On retourne sur le toit. Alors que je vous lise un peu. Walking Simulator. Ouais, il y a un petit peu un effet. Ouais, simulateur de marche aussi. Bah, il faut dire, je dois l'avouer, moi je trouve que ça fait le charme du jeu. Les cartes sont grandes, donc on peut se promener joyeusement. Voilà, autre ascenseur. Voilà. Tac, je vais me retrouver sur le toit du supermarché. J'espère que j'aurai pas de comité d'accueil hostile. Oh merde, si. Putain, c'est quoi ça? Ah, c'est nouveau ça. Merde, il faut que je fasse le nettoyage. Faut que je désinfecte. Oh la vache! D'où il est venu? Je l'ai entendu, mais je l'ai pas vu. Oh là là! Attendez, ça craint du boudin là. Pardon, je vous relirai après. Oui, pour se repérer, c'est pas évident. Faut vraiment faire un effort de mémorisation de la carte. Je suis pas sûr d'avoir le bon flingue.
Putain, voilà les bestioles, quoi. Commander, mission completed. Oh. J'ai réussi? J'ai réussi! Oui! Je vais sauvegarder, on passe à la suite. Oh, quasiment 2 heures. 113 minutes. Ah, par contre, j'ai vraiment nettoyé toute la zone, là. On est d'accord. Kill 100%. Et les objets trouvés, j'en ai trouvé la grande majorité. Eh ben, putain, eux, en 20 minutes, ils le font. On voit que je suis un pépère. Hein. Merci pour les GG. Oh, il est beau ton GG, Poupon. C'est la première fois que je le vois. Putain, j'ai quasiment mis 2 heures. Ils prétendent que c'est nettoyé en 20 minutes. Ah, je vais faire du mal plaisir sur le jeu. Ouais, côté alien, ouais, c'est bizarre. Alors, escorter l'unité Fido. Fido Dido. Alors, a besoin... Oh merde. Besoin de jerrycans d'essence qui ont été localisés dans un sous-secteur de la ville. Alors, il faut que j'aille chercher des jerrycans d'essence. Nous avons programmé l'unité Fido avec les coordonnées exactes et spécifications nécessaires pour identifier la position des 10 jerrycans. Enfin, des containers plutôt. Oui, je confonds canister et containers. Une fois initialisée, l'unité Fido procédera à ce qu'elle doit faire. En respectant voilà, les paramètres de mission. L'équipe scout, elle, est responsable de initialiser. Bref, de faire le ménage, apparemment, des fosses hostiles. Vous êtes requis à la protection de l'unité. Oh, je vais faire escorte en fait. D'accord, je vais faire escorte de l'unité Fido qui est en charge de prendre tout ce qui est essence sous forme de jerrycan. Oh la vache. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Donc c'est dans les rues, je présume. Oh merde. Oui, il faut que je sauvegarde parce que je sens que je vais en baver. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas. Rien que le descriptif, le briefing de la mission, je sens que je vais en baver. Pardon, je vais boire un coup. Oh là là. La classe, Olive. Attaque des bonnes prises à la pêche ce matin. C'est bien. Omble de la louée. Ah ouais, le monde des coups s'est arrêté là. Calmez-vous. Ah oui, le radar. L'indispensable radar. C'est qui le commandant dans l'équipe? C'est moi ou c'est eux là? Ah, c'est le robot. Il faut que je... R2D2 mais en version démodée. Oh la vache. Mais j'ai pas la bonne arme moi. Comment voulez-vous que je défouraille du zombie? Liquid transfer valves connected. Transferring contents. Ah, il récupère ça. Contents transfer procedure successful. D'accord. Ah, il a fini de récupérer l'essence, ok. Attends, on va où là? Le robot il va où? Parce qu'il y a des zombies partout. Ah, oh, il y a des vers qui se promènent sur la route, c'est horrible. C'est dégueulasse! Oui, il y a des extensions, direct, il y a des câbles qui sortent du compartiment principal, c'est bizarre. Bon, il est où le robot? Il fait quoi? Ah, il va là, ok. Non, mais il est space là. C'est quoi ça? Ah, oui, c'est un mec là. Bah c'est tellement pissé des rétro que je suis pas certain de ce que je vois. Il est où le robot? Je suis le robot, il est où ce con? Il est déjà là. Oh là, il m'a déjà doublé. Calmos. C'est la guerre. Putain, mais vous allez trop vite, les mecs. Vous allez trop vite, vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Oh là là. Well done, Commander. All directives achieved. Pick up coordinates transmitted to Fido unit. Maintain protection and return. Oh merde, attention. Oh là là, il y a une borne de... Attends, la borne est dangereuse. Voilà. Les bornes. Ah, deuxième.
ça, faut que je dégomme ça parce que ça fait des gros dégâts. Faut surtout pas perdre le robot. Le robot fille de Dido. Oh là là! Alors c'est pas mal le fait d'imposer le rythme du robot parce que ça met la pression. Ça met grave la pression. Je sais pas viser. Pardon si je vous lis pas dans le chat, hein, il faudrait que je vous fasse pause et... Je relirai, je remonterai tout le chat quand j'aurai un peu de répit. Je te conseille le visage du film Zombie de Romero des années 70, c'est exactement le scénario. Ah ouais. Ah, tu me l'apprends. Je vais l'arc un peu, je commence à fatiguer un peu. Oui, Olive, oui, non, bien sûr, il n'y a pas de soucis. Bon repos à toi. Ah merde, mais c'est les rats qui m'attaquent, c'est dégueulasse. Putain, les rats, ils sont fous ici. Non, mais les rats sont en train de me faire bobo. Repose-toi bien, Olive, ouais. Je suis sûr qu'il y a des trucs planqués dans les... Non, c'est dégueulasse de faire ça. Dans la conception de niveau, c'est dégueulasse de pas donner un bonus dans un truc qui est planqué quelque part. Oula, 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 attendez mon escouade, attendez-moi. Merde! Le robot est mort! Ah merde, j'ai échoué! Ah la vache! Je pensais aller dans la petite ruelle pour récupérer un peu de santé de staff, j'ai pas le droit! Hein. Le truc il est rythmé grave quoi! Ah là là, bah du coup je vais pouvoir vous lire! Alors attendez, je vais tricher en vous relisant via la tablette du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai pas lu de ce que vous m'avez dit? Ça me permet de souffler un peu. C'est logique, ça fait partie du code technique interdit au public. Oui, oui, oui. Oui, au moins c'est cohérent. Là-dessus, dans la conception des niveaux, c'est cohérent. Ah, mais ça se passe que dans le centre commercial, le film, ok. Mais le film dont tu me parles, qui doit effectivement être une référence du genre, je crois que j'en ai vu des extraits. J'ai jamais vu le film. Alors, je suis pas cinéphile, Poupon, hein. Je te donne l'info, je suis pas cinéphile. C'est pas trop mon truc. Mais ce dont tu me parles, je crois savoir de quoi il s'agit. C'est chaud patate, ouais, c'est ça. Oui, des rats mutants. Non, mais l'animation, elle est bien faite, des rats. Quand ils s'approchent de toi et qu'ils te sautent à la tronche, ça fait bien flipper. Allez, courage. On recommence. Alors, quand je recommence avec mon matos ou je suis à poil? Ah non, apparemment, il me recharge ma partie, en fait. C'est sympa. C'est honnête, c'est sympa. Alors, je sais même plus c'est quel flingue, là, que j'ai pris. C'est quoi ça? Ah, c'est le flingue qui me fait marrer. Ah oui, c'est le... Ouais, je vais les éclater. Ça va être rigolo. Enfin, il faut que je dise bien. Merde, j'ai visé le robot. Oh le con. J'ai endommagé là. Ça, je suis pas bien. Ah, j'ai fait disparaître. Oh. Oui, merci, bonne journée à toi, Poupon, merci d'être passé. Ah oui, à mon avis, ça va être ça jusqu'à midi 13h. Je vais faire carnage auprès des zombies. Ah! La portée est honnête. De l'arme. Alors? J'ai pire plan pas dessus, elle meurt pas. Ah. Non, j'ai pas fait gaffe. Merde.
Putain, combien de fois je tire sur le robot? Je suis n'importe quoi. Merde, ça c'est mon nombre d'escouade. Oulala là là. Putain mais c'est pas évident. Je vais peut-être changer d'arme. Ça peut être meilleur avec le fusil à pépon. Non mais franchement ce que je disais au début de la partie, j'avais commencé en moyen, je me suis dit c'est plus bien. Heureusement que je suis revenu facile. Jure. Musique clip d'accord mais j'ai pas de trousse à pharmacie. Ah petit y'a les rats, j'ai ce que j'ai. Oh là 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 là. Alors. Celle-là va prendre le nom. Oh merde! Warning. Shutdown imminent. Oh la vache! Eh ben la mission là, quand je vous disais que je la sentais pas. Waouh! Je confirme. Oh punaise. Oh là là. Et je suis en facile hein. Merde. Je sens que je vais la recommencer 50 fois. Pa. D'accord. Là, il n'y a pas un truc qui... Ah, je croyais, mais non. Oh la vache. Ah, mais dur, quoi. Ouais, l'Uzi, c'est l'idéal. Ouais, l'Uzi c'est très efficace. Aïe. Uzi, j'en ai pas tant que ça. Oh, ça c'est efficace. L'arme là, je l'aime bien. Faut-il encore que je vise bien? Oh la vache. Ouais, re-SDR. Oh merde! Sur la machine. Putain, le gars il a tout faux. Well done, Commander. All directives achieved. Pick up coordinates transmitted to Fido unit. Maintain protection and return. Mais surtout pas de loup ce qu'il y a sur le côté. Oh la vache.
faire buter là, c'est pas possible. Il me faut une pousse à pharmacie là, en plus il y a les rats qui sont là. Oh non, mais soyez sympa, donnez-moi un coup de bonus. Oh les chapeaux, y'a rien. Oh les chacals, je ne sais plus, même moi je me trouve dans le pluriel. Je suis troublé. Y'a rien de rien. Oh les radins, ils donnent que plus. Oui, y'a du monde en vie là. Ah non, mais je suis mort là, c'est pas la peine. Aïe aïe aïe. C'est dur. Oh mince. Ah la vache, mais je vais en baver de cette mission. Aïe aïe aïe. Ah non non non, ouais, sans déconner, je crois que je suis pas prêt à finir le jeu. Hein. Je pense qu'il est très honnête, qu'il y a beaucoup de contenu. Mais même en facile, il est balèze. J'espère que les concepteurs ont bien équilibré la difficulté. Pardon. Oui, Quick. Ouais, le magnifique crâne à Fenfan. Oh là là. J'ai à côté. Là, il y a quoi là? Oh, il y a une bagnole! Putain, trop bien fait! C'est vachement bien fait! La musique est pas mal! Merde, je suis perdu! Je suis allé dans le sens opposé où il fallait aller. Oh là là, très mauvais début de mission. J'ai déjà perdu mon escouade. Au secours. Faut que je regarde le radar de temps à autre. Que je récupère vraiment les trucs et que je me loupe pas. Bon, on dit, mais pas se passer, la question se pose au niveau de l'équilibrage et la difficulté. Bah oui. Je suis déjà à la bourre dans le rythme du... Bah elle est... J'ai envie de dire, elle est faussement limitée dans le temps. Parce que comme c'est le robot qui récupère l'essence qui impose le rythme, c'est l'équivalent d'une chronométrie quoi. T'as vraiment la pression. Non mais et là il faut que j'aille au lance-roquette là, c'est pas possible. Merde. Ah, oh, c'est le robot qui est mort alors que j'ai... Oh la vache. Oui, il est 10h. Bah oui, le robot, il a pris tellement de dommages que... Puis même moi, je me fais trucider. C'est presque... Je pense qu'il y a une logique. Une rue égale une arme. En fait. Dans la mission. Je n'ose imaginer combien de fois je vais recommencer la mission. Voilà, pour le coup, ce matin, de l'action, vous allez en avoir. Hein. Ça va changer le fait de tourner en haut. Ah, je peux le charger à mort. Ah, je peux charger l'arme. Ah, putain, c'est pas cool. Tu perds un max de temps, mais c'est pas cool. Voilà. Ah.
là. Hop là, bon loin. Bon. Magnifique. Ouais, c'est pas vite les salopes. Bon, il faut que pas que je loupe le matos. Ouais. On parle d'un style. Alors, c'est là où il faut que je change d'arme, que je prenne le lance-roquette, voilà. Et que je fasse bien le ménage. Ah là, je suis pas trop mal, là, je peux peut-être bien sauvegarder d'ailleurs. Attends. Histoire de pas refaire cette phase-là, je vais sauvegarder. Ouais, allez. Je vais reprendre ça. Histoire qu'on progresse un peu, qu'il n'y ait pas trop de redondance. Parce que là, je suis quasiment à 100% de ma vie. Je suis à 95%, ça va. Et le rythme est bon. Concentration, on y croit. Merde, putain, je suis déjà à côté. Ah, mais on voit déjà là. Le radar, j'ai déjà loupé des trucs. Bon, les rats, je laisse les mecs s'occuper des rats. Hop, et voilà, il n'y en a plus. Là, il y a une grosse corde de rats, hop. Ah, tes tigres, je les adore. Les beaux tigres. Les beaux tigres. La vache. Voilà. Ah, pas mal. Je suis plus qu'à 10 de vie. Attendez, je vais sauvegarder dans une autre. Ouais, Sarah Connor, ouais, y a un peu de ça, ouais. Ouais, j'en avais parlé avec je sais plus qui, l'ambiance avec Bob Morlock, l'ambiance Terminator. Oh, j'ai réussi. Oh oui. Oh, le soulagement. C'était la fin de la mission, en fait. Waouh, oui, merci. Mais voilà, là, franchement, c'était soutenu, là. Oh la vache. Oui, mais là, ça devient ridicule, leur chrono de faites le niveau en 20 minutes. Je l'ai tracé en 4 minutes, mais c'est imposé. Ça va tellement vite. Waouh, et on voit l'importance de préserver ses munitions. Parce que parfois, t'as méchamment besoin de munitions pour la mission suivante. Donc, faut pas faire le con dans le stock de... Alors, collection de médicaments. Alors, commandant, nous avons perdu contact avec l'équipe Beta. Mission de routine. Trouver de la bouffe et des médicaments. Dans les limites de la ville au niveau des grandes surfaces. Il y a une infiltration rapide de morts-vivants. Il y a une anticipation. Alors, je traduis à la chasse, hein, pardon. Ouais, possibilité de rétablir la situation. Le dernier message reçu. Ouais, la gestion des munitions, ça déconne zéro. Le dernier message reçu indique qu'il y a 3 larges containers qui sont prêts à être transportés. Nous avons besoin de ces containers. C'est la priorité de la mission.
Vous devriez rencontrer les survivants de l'équipe bêta. Et essayer de, ouais, d'éviter le carnage, quoi. D'essayer de les sauver, quoi. Oh la vache. Alors, 3 containers et... Ah merde. 3 containers et des membres de l'équipe bêta à sauver. Ah, je sais pas ce que ça va donner. Je vais prendre le fusil à pépon. Attends, déjà il y a quoi sur le toit? Oh la vache. J'ai pas un radar en cadeau. Je prends le temps de fouiller parce que déjà ça me permet de me reposer de l'ambiance folle du précédent niveau. Et ce serait dommage de louper du matos dont le radar. Le radar, franchement, il est super important stratégiquement. Bon, ça, ça va être le début de la mission, c'est l'escalier. Je me rassois bien aussi, je commence à avoir mal au dos. Parce que je suis mal assis dans mon siège. La bonne vanne de code de fin de niveau. Nada. Oh, ça, j'ai bon espoir que ça arrive peu souvent. Bah, tu sais quoi, j'ai trouvé aucune référence sur internet du jeu. Quand je tape last rite, en fait, je trouve les derniers rites, mais dans la religion anglicane, en fait. Sans déconner. Enfin, du moins, c'est les premiers résultats de Google. Mais je pense qu'il faut taper last rite game pour préciser que c'est le jeu. Ouais, ouais. Mais j'espère que ça m'arrivera rarement, le fait de faire usage d'un code sur ma chaîne. Je vais essayer d'éviter. Oh, un brochet à quitter 10 kilos pour moi. Ouais. Alors, donc c'est un autre supermarché de la ville, c'est ça? Yep, ouais, merci. Carnage. Ouais, il y a des vrais poissons. Bah, j'ai eu un doute quand j'ai ramé l'intervalle, tu sais, du hasard, la masse de poissons. J'ai eu des doutes par rapport au. Putain, ce que c'est crédible pour avoir un brochet de 20 kilos. Mais je crois que sans doute ça existe. Il y en a qui en pêche de 50 kilos. Très rarement, ça arrive. C'est un graffiti bizarre. Wouh! Oui, bah, supprimons à la santé. Ah, il y a une porte. Attends, je peux la déverrouiller? Non, je peux pas la déverrouiller. Je vérifie les accès. Ah, le son du jeu est trop fort par rapport à ma voix. Oui, chez FunFan, t'as l'impression qu'il y a que des toxiques. Ouais, wow, c'est FunFan. Tu fais bien de me le dire. Ouais, je vais baisser. On va voir. Oh, si on garde la musique quand même, la musique elle est bien. On va voir. Je vais essayer comme ça. Tu me diras si ça va ou pas, mon cher SDR. Bon, bah la suite est par là. Putain, faut vraiment se coller aux portes pour les activer. Oula. Po, 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 po. Oula.
Oula. Attention avec les tonneaux d'explosifs qui sont vachement proches. Ok, c'est cool. Merci pour la balance des sons. Putain. Non mais si je tire avec les mecs partout, on va exploser, on va crever là. Attendez, faut qu'on se recule les gars. Revenez vers moi les gars. Écoutez-moi les gars. Voilà. Putain, il tient déjà proche du bordel. Alors... Non, ça va. Ça, c'est quoi ça? Il y a un truc, j'ai pas besoin. Moi, perso, ça me dérange pas plus que ça, mais il y en a qui vont forcément te le dire. Oui. Twinsen. Pour pas le nommer. Alors, je suis vilain. Je suis quand même bien content qu'il soit là pour dire au niveau de mes problèmes son. Alors, la question... Ah d'accord. Ouais, voilà sans le citer. Je finis par douter, est-ce que le fusil a pépé ou bon flingue? Putain, ils arrivent de partout. Alors, j'ai activé un truc, mais je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai activé avec l'interrupteur, moi? Il faut que je revienne au début, là. Non, ça n'a pas ouvert les portes là. Enfin, je crois pas. J'essaye de suivre dans la logique vidéoludique. Ah, qu'est-ce qui a déclenché l'interrupteur? J'ai pas compris. Je suis sur on, mais pourquoi? Là, je piche pas. Faut pas que je monte sur les caisses, non? Y a pas d'intérêt. Enfin, je crois pas. Attends, je vais essayer de monter sur les caisses. On peut sauter dans le jeu. De manière pas facile, mais on peut. Merde. J'arrive déjà pas à rester sur la première caisse pour ressauter sur la seconde. Bah oui, mais je sais pas ce qu'a déclenché l'interrupteur, si tu veux. Merde, putain, j'étais dessus. Oh, c'est dur, ce jeu est dur. Non, on voit qu'il n'y a rien sur les caisses. J'ai eu le temps de voir au-dessus des caisses, il n'y a rien. Ou alors, mais non, mais y a rien, y a pas de... Ou alors c'est ça, mais non, c'est un grillage. Je peux pas enlever le grillage. Mais non, il s'est pas déclenché tout seul, mais... Mais le problème, c'est que l'interrupteur, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, il va falloir que j'observe. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé, moi? Et là, le mur coulisse. Je me méfie des jeux qui sont complètement what the fuck. Ah, ça c'est chiant. Il faut avoir le nez, mais sans déconner, il faut avoir le pif contre la porte pour qu'elle s'actionne. T'as pas une tolérance d'un mètre. Ça c'est le petit défaut du jeu qui est rageant. Attends, je dois revenir sur mes pas. C'est trop bizarre. Ça, je reviens au début. Bah oui, c'est les escaliers du début. Bon, écoute, je reviens sur mes pas, mais... J'ai quand même pas déclenché un truc sur le toit à partir de cet interrupteur à la noix, si. Ouais, bah ouais, il y a des côtés agaçants parfois dans le... Non, rien n'a changé sur le toit. Ah! Ah non, c'est un... Non, c'est le mur qui était comme ça. Putain, avec l'éclairage, on dirait qu'il y a... On dirait qu'il y a du vide et qu'on peut y aller. Ah mon dieu. Non, c'est pas logique, ça se passe pas sur le toit. Mais qu'est-ce que j'ai déclenché avec cet interrupteur à la noix? Si au moins ça avait été apparent.
Je serais content, mais là. J'espère que je vais pas tourner 3 heures comme un gros nigaud. Et c'est que le début du niveau. L'équipe bêta, là, c'est comme la phase de ma chaîne. C'est l'équipe gros bêta. Ils sont nuls. Ça parle mal. Ah, ça, j'ai pas ramassé. C'était des munitions de fusil à pépon. Bon, là, c'est là d'où je viens. Attends, ce serait la porte là? Non, elle bouge pas la porte là. Tu commences à déclencher des trucs sans le vouloir ou savoir où on va pas s'en sortir. C'est pas faux. C'est pas faux. Attends, mais j'ai déclenché un truc, je sais pas ce que c'est. Surtout toi. Merde. J'ai activé quelque chose. Alors, reste à savoir quoi. Non, ça sert à rien que je monte sur les caisses. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai déclenché? Attends. Là, il y a la grille. Faut quand même pas que je tire dans les caisses pour que tout explose. Normalement, c'est le... Merde, pardon. Si je touche mon coéquipier, ça va pas faire. Non, j'ai attiré un zombie, c'est tout ce que j'ai fait. Soyons logiques. Je suis dans une pièce où il y a des briques partout. C'est des murs en briques. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Là, il y a un max de cartons emmagasinés. Bon, ça semble logique. Ça... Comment je fais pour passer ça? Avec une arme particulière? Oui, j'avais pas répondu à la question de Poupon de tout à l'heure. Les armes infinies, munitions infinies. Pour le petit flingue, oui, comme on peut le voir. D'ailleurs, il y a un loustic là qu'on voit danser. Ah, mais les balles, moi c'est logique, les balles sont arrêtées par le grillage. Déclencher l'interrupteur avec lequel je ne peux plus interagir. Qu'est-ce que j'ai déclenché? SDR, si t'as une idée, n'hésite pas, hein, parce que là, je suis complètement largué. L'interrupteur doit avoir un lien avec la pièce dans laquelle je me trouve. J'espère que le bordel est pas buggé. Ouais, bah merci, mais... Derrière le grillage, je les ai zigouillés. Merdoum, mais elle est où la logique? À quoi a servi l'interrupteur? J'ai envie de dire que ça a déverrouillé un accès, mais lequel? D'accord, faut pas plonger dans les. Il n'y a pas une caisse, une fausse caisse qui serait un accès à la verticale. Ce serait complètement dingue. Tant que chose. Non, il n'y a rien.
Il n'y a rien sur les caisses. T'as une sève où tu pourrais reprendre pas loin de ce niveau? Bah, le début du niveau, ouais. Non, mais c'est peut-être ce que je vais faire, SDR, parce que il y a peut-être eu un bug avec mon escouade, je sais pas. C'est vraiment étrange. Il y a des portes qui existent, mais qui bougent pas, ou qui bougent au bout d'un certain moment. C'est pas les grands rideaux qu'il faut que j'ouvre, on est d'accord? J'ai encore jamais vu ça. Ça, c'est les commerces. Peut-être parce que là, je vois pas. Ouais, bah ouais. Mais c'est surtout que c'est pas logique. Mais non, je vais pas revenir au début. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, c'est pas les rideaux. Ah, si, c'est les rideaux. Oh là 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 là. Faut deviner. Oh là là, faut deviner. Ah bah, moi je te dis, l'équipe bêta, elle est pas prête à être sauvée. Aïe aïe aïe. Eh ouais. Il est vraiment bizarre le jeu. Ouais. D'ailleurs, je vais sauvegarder honteusement parce que. Je sais plus si c'est la mission 5 ou pas, je sais plus où j'en suis. Allez, sauvegarde numéro 5, on y va, on se fait plaisir. Ah voilà. Ouais merci. Ah, attends. Oula. Entre les mecs et les ennemis, j'ai du mal à repérer. Là il y a déjà un interrupteur. La vache, on voit rien. On voit rien, je suis dans le noir absolu là. Il y aurait un piège, je me mettrais les pieds dedans. J'ai de la santé, c'est cool. Attention. Ça, je peux l'ouvrir. Ah oui. Wow. Fait le ménage. Ça fait le ménage. Qu'est-ce que c'est que cette grande surface? Trop bizarre. Ouais, un petit peu de trousse de secours. Ouais. Mince, j'en ai le clavier secondaire qui est. Non, ça s'ouvre pas ça. Ou il y a un interrupteur que j'ai pas vu, que j'ai pas activé. Mais franchement, je suis pas déçu hein, de l'achat de ce petit FPS. Il est spécial, mais. Il a son âme, il a son caractère. Il a le mérite d'exister. Putain, j'avais cru voir quelque chose bouger dans l'ombre. Je deviens parano comme dans un jeu d'horreur. Export, j'aime bien les caisses. J'ai de l'import export. Attends, j'ai fait on, mais. Attends, ça, j'ai pas ramassé. J'ai pas besoin. Non, c'est juste celui-là. Oh.
Il n'y avait pas une autre route. Il y avait une autre route. Les tirs, mais en fait tu vois pas. Je sais pas s'il y a des boss dans le jeu. Je sais pas. Je découvre complètement le jeu, hein, SDR. C'est une pure découverte. Ah merde! Ah non, il me disait qu'il y a un membre de mon équipe qui s'est fait frapper. Oh, ils sont rapports! Wouah, qu'est-ce que c'est son? Non, j'ai pas fait le. Non, il y a rien autour du truc? Il y a rien. Ah, je suis coincé. Oh là, il y en a des trucs ici. Putain, j'ai bien fait de regarder à deux fois. Et là, il y a quoi? Il y a rien. C'est bizarre. Bah, et j'aime aussi beaucoup la musique. La musique du jeu, je la trouve excellente. Ouais, et l'Uzi est ce que j'ai de plus fourni. Adieu. Qu'est-ce que c'est que ce supermarché? C'est le supermarché de l'horreur. Oh. Non, c'est un flingue que j'ai déjà en fait. Attends. Au niveau des caisses. Non, j'ai rien loupé. Attendez, je vais sauvegarder. Ah, la musique, franchement, moi je m'en lasse pas. Non, je m'accorde une petite pause. Je bois un petit coup. Oh, excusez-moi. Ah, ça fait du bien. Ah. On y retourne. Parce que c'est bon. Allez, go. Ah, faisait longtemps que j'avais pas vu cet objet. C'est du réservoir de lance-flammes. Est-ce que ça annonce des grandes hordes des... On va se faire un péplum zombie, peut-être. Ah, un interrupteur. Attends, avant de... Pas mal, je trouve que je suis bien placé. Surtout s'ils assurent l'arrière, parce que j'ai pas fait l'autre interception. Interception. Pff. Ah si, c'est une porte. Une porte qui s'ouvre pas. Il va peut-être être déverrouillé par l'interrupteur que je toucherai après. Je vais d'abord nettoyer la zone qui m'est ouverte. Là, il y a de la... Oh, il y a un étage supérieur. Oh, merde. Merde. Attends, non, je suis pas revenu au début là, je suis à un autre étage.
Bon, bah on va voir ce que fait l'interrupteur en bas. Suspense. Il y a du suspense. Vraiment une bonne surprise, hein, ce jeu. Alors, est-ce que ça m'a déverrouillé la petite porte là? Oui. J'ai déverrouillé apparemment la porte qui correspond à ce que j'avais déjà fait, c'est ça? Ouais, le on, ouais, c'est ça. D'accord, en fait, j'ai libéré un accès. J'ai nettoyé l'étage de cet étage-là du supermarché. On progresse bien, ouais. C'est cool. C'est cool. Et en fait, ça y est, j'ai pigé les valeurs dans l'angle supérieur droit. Les petites valeurs, en fait, c'est l'état de santé de mes coéquipiers. Donc là, je suis quasiment au taquet. J'ai 426 balles d'Uzi. C'est pas mon seul flingue. Et j'ai 200% de vie. On y croit. On y croit. Je suis plus fait pour les missions en intérieur qu'en extérieur, en fait. Quand je suis à découvert, je suis pas à mon avantage. Allez, c'est parti pour la suite. T'as tout de suite comité d'accueil, t'ouvres le rideau, tu te prends un truc dans la tronche. Attends, il y a des portes partout. Il y a une caisse qui bouge? Depuis quand les caisses bougent? Les caisses... Oh merde, il y a du monde là-bas. Oh le dédale! Putain, oh là là, il y en a partout. Il y en a partout. Waouh, les niveaux par moment sont énormes. Je sais pas par où commencer tellement qu'il y en a. Oh là là. Attends, au début il y avait la porte là. Oh, je sais pas si je suis un véritable guerrier, mais je m'en sors pas trop mal quoi. Porte là, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, il y a du peuple. Oh là là, c'est une grande zone. Mais rouvre-toi la porte à la noix là. Ouais, il y a du taf, ouais. Ouais. Attention, là. Ah oui. Oh, c'est sûr. Oh la vache. Non, là c'est fermé. Là-bas. Putain, mais du coup, je vais avoir le réflexe de tester toutes les portes, tous les rideaux là. Enfin, les rideaux, surtout quand je serai bloqué. Mince. Là, le rideau est fermé, donc c'est pas par là. Et puis, des rideaux à tester, il y en a. Si on devait être bloqué. Bon, je pense que... Allez, je vais tester le rideau là. Non, il bouge pas. Non, ça bouge pas. Non, je pense qu'il faut que j'aille tout au fond. Ouais, et que je continue. Oh là! Oh là! Oh là! Voilà, petite réserve de matos. Ça fait plaisir. Hop 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 hop. C'était la pièce fait péter.
Ah, les membres de l'escouade qui sont là, c'est bien. Je sauvegarde parce que... que j'ai pas à me recoltiner tout ça. Alors... Non? Ou alors il y a un interrupteur? Bah, pourquoi je peux pas progresser? J'ai pas le droit d'avancer. Ah, j'ai loupé un truc, moi. Oh la vache, c'est du monde là et c'est sombre. Ah, peut-être que j'allume la lumière avant d'y aller. Je crois que c'est ça la logique. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve l'interrupteur du. On est d'accord, faut bien regarder les murs, j'ai pas loupé l'interrupteur. Ah merde, c'est mes... Bah, mes copains ils sont allés, pas moi. Comment ils ont fait? Ah non, c'est les membres de l'équipe bêta. C'est eux qui sont coincés dans le... Ah, voilà le dit interrupteur. Le voilà. Et là, avec un peu de chance, j'ai libéré tout le monde. Wow! Comment je suis passé sous la porte à fond la caisse? Non? Attends, je comprends plus. La logique de ce jeu. Non. Je peux toujours pas ouvrir le volet. Donc il y a un autre interrupteur que j'ai pas encore trouvé. Qui fait que l'équipe bêta est encore prisonnier. Ah, allons sauver l'équipe gros bêta. Oh merde. Ah, je veux bien une carte, ouais. Niveau 2. Oh la vache, t'as vu le truc toi? Ouah. Je peux pas prendre le plan, c'est dommage. Moi, ça tiendrait qu'à moi. J'arracherai le panneau, je le garderai pour moi. En plus, ça pourrait servir de bouclier. Hey, les mecs de l'escouade, vous avez pas fini de jouer avec les portes, là? Bande de sales gosses. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'impe. Ah ouais. Bon, l'interrupteur, là, je l'ai fait. Ah, celui-là, j'ai pas fait. Ouais. Plasma Blaster, ok. Attends. Oh là, oh là, oh là là. Alors, je sens que je vais tourner en rond pendant un petit moment, là. Là, j'ai pas compris où était la suite. Donc du coup, je testais tous les volets roulants. Non, la suite est pas là, pour le moment. Mais c'est pas dit que plus tard, il y ait quelque chose. Là, il y a rien. Bon, là, c'est mort. Là, pour le moment, il y a rien de nouveau. Alors, je suis arrivé par là. Ah oui, il y a l'étrange caisse mouvante. Cette porte ne bouge pas. Bien malgré moi. Attends, il se passe des trucs, mais...
Ouais, c'est ça. Exactement. Ah! Ah ah ah! Interrupteur que j'avais pas vu. Non mais les saligots, hein. Comme quoi il faut bien regarder. Ils l'ont planqué dans l'angle de la carte. J'ai déclenché un truc. Oh, ce poster. Ce poster. Avec le mouflet, avec les grosses lunettes. Oui, mais ça m'amène où, là? Attends, je suis perdu. Merci, j'ai déverrouillé un accès, mais je suis largué, là. Alors, je progresse. Je sais pas comment, mais je progresse. Oh la vache. Attends, c'était pas par là que j'étais arrivé au tout début, moi? Je crois, hein. Attends, je suis plus sûr de rien. Mais si, j'étais arrivé par là. Ah, par contre, il y a la zone là que j'avais... La porte s'ouvrait pas. Ah, c'est ça que j'ai déverrouillé. Enfin, je crois, je sais plus. Non. J'avoue, je suis perdu. Je suis largué. Quel est l'endroit que j'ai pas fait? Oh, j'ai fait par ici. Pourquoi j'entends de l'action? Oui, il y a de l'action. Mais pas pour moi. J'ai pas compris pourquoi. C'est trop bizarre. Bon, tu me diras, ça participe à l'ambiance, mais... Ah ouais, j'ai le troisième membre de mon équipe qui se fait patater. Bah, je tourne en rond, là. C'est ça. C'est exactement ça. T'as résumé la situation, SDR. J'ai déverrouillé un truc, mais alors quoi? Putain, le rideau, là, il a l'air plus sombre que les autres. C'est là où il y avait le on-off. Ah, c'était là peut-être. Je comprends rien. Ah ouais, non mais là je crois qu'on est parti pour 15 minutes de tourner en rond là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Pas là. C'est la zone là que j'aimerais bien atteindre. Mais je sais pas comment on fait pour y aller. Oh! Attends, comme c'est le bon chemin, je vais sauvegarder. Je sais pas comment j'ai fait. Me demandez pas, je pourrais pas me justifier, me répondre. Mais on avance. D'accord. Ok. Non, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. Bah merde! Il n'y a pas d'interrupteur. Ah non, la suite est là. Oula.
Ok, c'est l'entrepôt qui sert à rien pour moi. Ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre. Ah là, il y a une autre porte. Alors attends, je vais peut-être faire en face. Ça s'ouvre aussi, mais là, il n'y a pas d'autre porte. Ah, cadeau dans ce requête. Bon, j'avais déjà, mais... Ouais. Ok. Cette succession d'entrepôts. Bon, j'ai jamais travaillé dans un supermarché, mais je me demande si ça se passe comme ça dans la coulisse. Avec une succession de tant de salles, ça me rend fou. Wow! Ah! Un interrupteur. J'ai pas de cadeau, non? J'ai pas de. J'ai pas de matos supplémentaire. Ça c'est horrible, les boyaux sur la caisse. Oh, c'est trash. Un autre interrupteur. Que voici. Ah, je te cacherai pas, moi je boude pas mon plaisir. Hein. C'est vraiment un FPS bizarre, mais qu'elle mérite d'exister. Moi, j'aime bien. C'est pas aux normes, ça. Comment ça se fait que t'improvises un escalier avec des caisses? L'inspection du travail dirait non, là. Accident, là. Ce jeu de parcours avec les caisses, non mais franchement. J'ai abusé. J'ai abusé. Ouais. Les bizarres là sont charme. Pouk. Je n'aurai aucun dégât de chute. J'ai scrupuleusement respecté le... le schéma du... Bah, ça s'ouvre pas. Le schéma du concepteur de niveau. Ah. Il y a un truc que j'ai pas capté. Attends. Si, je peux passer entre. J'adore les petites caisses sur lesquelles il y a écrit export, ça me fait délirer. Ça me fait délirer. Non, je sais pas. J'ai pas loupé un interrupteur. Pourquoi j'aboutis dans une salle entrepôt que je ne peux pas déverrouiller, je comprends pas. Non. Non bah le verrou peut pas être entre les caisses, c'est pas logique. Alors là j'ai pas compris. Il faut pas tirer dessus, c'est débile. Alors là, je pige pas. Parce que théoriquement, c'est là où je suis censé aller. Encore une énigme. Ce jeu en lui-même est une énigme. Oui. En même temps, tu me diras, tu sais quoi, je suis en train de penser SDR, dans la logique de la mission, c'est peut-être l'évacuation que j'ai trouvé, ou le fait de se barrer à la suite, mais comme j'ai pas libéré l'équipe bêta qui est prisonnière de la grande cage centrale, ouais, bah oui, le coup des rideaux, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi je suis pas autorisé à me barrer maintenant. Parce que j'ai pas trouvé le moyen de libérer l'équipe bêta là qui est au centre avec les zombies.
Attends, je reviens un peu en arrière. Merde, je sais plus où c'était. Ouais, ils étaient là. Ils étaient là, les pauvres. Ah! Ça s'ouvre. Non, les membres de l'équipe bêta sont devenus des ennemis, en fait. C'est pour ça qu'ils cohabitent avec les zombies. Et en fait, c'était... Bah, toi qui parlais de boss, là, on peut dire que c'est un mini-boss. Je fais face à des semblables, on va dire. On est bien d'accord, je viens de tirer sur un des gars qui me ressemblait, tout équipé. De l'équipe bêta, ils sont devenus des zombies. Ça fait flipper. Alors je vais peut-être changer d'arme parce que j'ai quasiment plus de munitions. Wow. Ah, il y a un interrupteur là-bas. Oula. Wow. Mince, il y en a un qui est mort. J'ai perdu un membre de mon escouade. Mais comment je reconnais les gentils des méchants? On a le même équipement. Ah, le premier conteneur. D'accord. Il n'y a pas de survivants. Il n'y a pas de survivants. Message reçu. Ouais, bah l'équipe bêta a été zombifiée en fait. Et j'ai perdu un homme. On n'est plus que 4 sur... alors qu'on était 5 en fait. Oh la vache. Alors, je suis sur les caisses pour observer s'il y a des trucs intéressants. Ou pas. Apparemment, il n'y a rien d'intéressant. Putain, ce serait génial de pouvoir allumer la lumière ici. On voit que Puik. On voit que Puik. Alors, je saute de caisse en caisse. Et tu peux voir comme moi, SDR, qu'il n'y a rien d'intéressant. Oh merde! Bon, alors, on retourne là où j'étais avec un peu de chance, ça s'est déverrouillé. Reste à savoir où c'était. Dans ce dédale de fou. On progresse, on progresse. Honnêtement, je fais mon autocritique, mon rythme est pas trop mauvais. Merde, ça c'est vraiment fermé. Ça, j'ai pas le droit d'y aller. Tu m'étonnes, je vais pas me priver d'un bon flingue. Ça, c'est un cul-de-sac. Merdouille, j'étais où, je sais plus. Non, c'était pas la suite, ça, c'était les plans chelous. Non, c'était pas les petites portes là. C'était ça, je crois. Non. Ah! J'ai pas souvenir d'avoir ouvert ça. Ou alors je reviens au début. Non! C'est nouveau! On passe à l'étage supérieur. Il y a du nouveau.
Attends, je sauvegarde. Ça, c'est le côté vicieux du jeu, hein. C'est le fait que les textures soient répétitives, en fait. Ça, tu peux pas prendre de repères aisément. C'est vraiment balèze. Wow. Putain, le mec, je l'ai au fusil à pompe, je l'ai encastré dans le rideau. Bon, ça bouge pas. Donc la suite serait là. Wow. C'est quoi cette pièce? Y a rien de caché? Y a rien de caché dedans? Je m'approche de l'objectif. Oh, ce jeu! Je reconnais qu'il est bien. C'est vraiment une bonne surprise. Et B. Waouh, super sombre à mort. Bon, bah si j'avais su, j'aurais démarré par cette porte-là. Ah, soupir. Non, mais c'est pas ça en fait. C'est un labyrinthe. Tu me diras, c'est du grillage. Je vois mal comment un grillage aurait pu bouger. Mais j'ai dû déverrouiller un truc sur mes pas précédents. Sur la zone précédente. Pardon. Oh bien. Un verron du Danube. Je crois qu'elle l'avait déjà pêché ce poisson d'olive. Il y a... Pas aujourd'hui, hein. Il y a quelques jours de ça. Oh! Une nouvelle affiche, j'avais pas vu. Zombie Thing Aether. Yeah, peut-être que ça correspond à ce que disait Poupon. Le film référence. Attends, ça c'est de là d'où je viens, non? Je crois. Hein. Alors, ai-je déverrouillé un grand rideau? Verrouillé. Verrouillé. Qu'est-ce que j'ai? Putain, il est déjà 11h. Ah! Le rideau là. C'est la guerre. Yeah. La réponse à la question, mon cher SDR. Ça défouraille déjà. Putain, je les avais pas vus. Attends. Non? Ah non. J'ai pas besoin de ça. Bon. Wow! C'est sombre à mort. Je suis dans l'obscurité là. Il y a un truc sur le côté. Oh! Oh, c'est un faux mur, ouais. Putain, t'as vu ça, SDR? C'est un faux mur. Ah bah bravo. C'est pas logique. Je connais pas de... Ah, j'ai gagné un radar, chic. Je connais pas de supermarché où il y a des faux murs en trompe-l'œil. C'est les États-Unis. C'est les têtes de nœuds, comme j'aime les appeler. Excusez-moi du peu. Oh là là. Ouais.
Attends, puis là je tourne en rond, là, je comprends pas. J'arrive dans la pièce là, mais je tourne en rond. Non, il n'y a pas d'interrupteur. Attends, c'est trop bizarre. Oh, ce jeu de fou. Ouais, je grimpe sur les caisses, il n'y a rien. Si maintenant, faut se coller au mur pour voir s'il y a vraiment de la physique ou pas. C'est abusé. Ouais, c'est ça. C'est exactement bien dit SDR. Où va le monde? Bah dans le mur. C'est ça. Non, non, elle est très bien. Elle est très bien, je valide SDR. Putain, il m'a fait peur. Waouh, comment j'ai failli buter mon coéquipier. C'était le rideau que j'avais déjà. Attends. Attends, il y a des trucs, je piche plus. Là-bas, il y a un interrupteur, mais je peux pas l'atteindre. Il y a un parallélisme. C'est vrai que la salle ne me dit rien. Attends, j'essaie de voir en perspective. Je sais pas, je vois des caisses, mais. C'est je sais pas quelle salle que j'aurais pas faite. Qui visiblement est pas si loin que ça, mais où? Putain, moi je serais tenté de d'ouvrir le rideau là, mais. Ah! Je suis pas passé par là, ok. Non, ça s'ouvre pas. Putain, mais les membres de ma propre escouade qui me foutent les jetons. N'importe quoi ce jeu, c'est n'importe quoi, mais on adore. Je suis même collé à bout de portant et j'arrive même pas à tirer correctement. Niveau 3, mais c'est le plan qu'on avait vu précédemment, non? Ah non, c'est pas pareil. Je serai là en fait, là où il y a le point vert. Mais pourquoi t'arraches pas le plan? Ou fais une copie, je sais pas. Non mais, voilà quoi, voilà le dédale et c'est le troisième étage. Vous avez une minute pour le mémoriser. M'en fous, je chirote mon café au lait. Aïe, 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 aïe. Non, c'est vrai que les cartes, elles sont grandes, c'est la classe. Quick. On n'en a pas fini avec les petits zombies. Bon, j'ai déverrouillé un truc, c'est bien. On est... Putain, j'ai le radar qui est... Oh, pas mal. On peut pas flinguer, ça. Non, c'est pas du Click M3D. Eh, on voit un radar, j'ai du rouge. J'ai des ennemis, mais c'est, on n'est pas au bon étage, en fait. Putain, c'était quelle porte que j'ai faite? Je sais plus, moi.
Je viens de là, je crois. J'ai peut-être pas fait en face. C'est verrouillé. Ah, ici c'est déverrouillé. Alors, avant de monter... Avant de monter... Ouais, non, il n'y a rien de... Non, je peux pas ouvrir. Ah, j'ai loupé un interrupteur. Putain, mais il y a des accès partout. Il y a des accès là. Il n'y a pas de faux mur. Non. Ah, 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 il y a un interrupteur. Interrupteur qu'il fallait voir. Attendez, pardon, je relance ma tablette qui était en train de se mettre en veille. Là, je présume qu'il faut que je saute par-dessus le bordel, voilà. Oh putain, il m'a fait peur. Ah non, le truc me mène en face, ok. Et je viens de là, c'est ça? Ah non, je viens pas de là. Je ne viens pas de là. Hop là, attends, faut que je saute. Non! J'ai loupé le saut. Faut que je recommence. Attends. Par acquis de conscience, je vais sauvegarder. Tu sais quoi? C'est par logique vidéo ludique SDR. Parce que je me dis, là, je progresse dans des salles assez grandes sans qu'il y ait trop d'ennemis. Généralement, quand il y a une bouffée d'oxygène comme ça, c'est qu'après, il va y avoir le gros de la cavalerie. Ah, on est de l'autre côté de ce que j'avais vu. Je pense qu'il faut aller au-delà des caisses, pardon. Excusez-moi, j'en vaille. Voilà, j'ai sauté par-dessus les caisses. Et je crois que j'ai rien gagné, à part être prisonnier comme un ego dans un entrepôt. Y a pas un faux mur, plaisantins qui sont. Je teste, hein, maintenant. Je ne suis plus sûr de rien. Ce jeu est truqué. Déverrouiller un truc, je sais pas quoi. Oh, j'ai pas fait par ici, moi. Hop là. Non, il y a rien. Bon, c'est bien que j'ai fait plein de matos, mais ça m'avance pas plus que ça. Attends, là j'ai activé le bousin. Faut que je revienne sur mes pas. Bah! Pourquoi j'avais un effet pâteau du soldat là? Ouais, c'est bizarre! Ah! Mince!
C'était bien, j'étais sur la caisse comme il fallait. Avec un saut latéral, ouais. Comme Lara Croft. Attendez. Non! Oui! Aïe! Ah, yeah. Je suis revenu de l'autre côté. Ah! Mise à jour des niveaux de fidélité. Oh la vache! J'avais pas vu tes deuxièmes des fidèles SDR. T'es juste derrière FunFan, je crois. Eh ben. Ah! Mon compte modérateur qui est que niveau 5! Ah, elle est bonne celle-là! N'importe quoi! T'as un niveau 62 déjà, SDR. Hein, du coup? Eh ben, merci de ta fidélité. Alors, est-ce que j'ai... Attends. Ah, ah, ah! La suite se passe par ici. Non! Non, c'est verrouillé! Non, vous êtes pas sérieux, les gens! Comment ça se fait que j'ai pas déverrouillé la porte là? Oh la vache! Ah ouais, le cybermatou, il est recalé. On voit qu'il a pas beaucoup erré sur la chaîne. Mais j'en viens de ça, c'est la salle où il y a le ventilo là. Non. Ah ah. Ah mais non, c'était ce qui me séparait du début du niveau. Je pense pas qu'il faille que je remonte autant dans le... Oh putain, il me fait peur ce con. Mais non, c'était bien la suite ça. Je pense pas que j'ai remonté si loin dans le... Ah. Attendez. Ah bah non, ça c'est du lance-flamme. Je l'utilise très peu le lance-flamme. C'est énorme! Cette carte est énorme, je suis en train de m'y perdre. Mais oui, le niveau est tellement... Le niveau est tellement grand que je... Ah, cette porte ne s'ouvre pas. A l'inverse, celle-ci... Oui, mais c'est par là que j'étais arrivé, moi, normalement. Ouais, c'était l'étage supérieur. Ah ouais. Ouais. Les niveaux sont dingues. Niveau superficie. Oui, bonne question. Est-ce qu'il y a une carte? Attends, j'appuie sur la touche M. Très bonne question. Attends, dans les options, il n'y a pas map. Open Activator, Run Fire Jump. Non, les salopards, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Non, non. Le jeu, c'est démerde-toi. Oui, il y a mon coéquipier qui est là, mais je vais pas revenir à... Je vais pas revenir au tout début non plus. Oh, merdoum. Bah, si c'est fait exprès, je trouve que c'est assez sadique. Ouais, c'est la porte là que j'aimerais bien poursuivre, mais elle est verrouillée. On est d'accord, faut pas que je tire dessus.
Là, il y a des doubles ventilos. Oui, bah je viens de là, je vais pas y retourner. Ouais. Non, je pense que c'est le mode débrouillez-vous, quoi. C'est mon neveu qui se met à jouer. Voilà, ça c'est le truc qui me manquait. Pareil, combien que c'est là, ça me déverrouille la porte auquel j'essaye d'accéder depuis tout à l'heure. Merde, je sais plus où elle est du coup. Attends, c'était là, je crois. Non, c'était pas là. Ça, c'est un cul-de-sac. Ah, je deviens fou. Je sais plus. Voilà, c'était par là. Non, si, c'était ça. Si, c'était ça. Dites-moi qu'elle s'ouvre. Sésame, ouvre-toi. Oui. C'est la suite. Je sauvegarde. Ouais, yes, on y croit. Oh là là. Je vais peut-être changer de flingue. Histoire d'équilibrer là. Attends, j'ai quoi? Ouais, le petit Uzi, c'est sympa. Wow! Putain, elle m'a fait peur. J'aime bien le côté réaliste, tu génères de la lumière en... J'ai failli dire de la musique, aussi. En tirant à l'Uzi dans les couloirs sombres. Ah mais je sais pas tirer. Comment perdre bêtement toutes les balles d'Uzi? Je viens de là. Donc les loustiques en fait ils sont là, ouais. Donc là il n'y a rien. Le petit interrupteur. Un vrai mur, ça? Oui. Oh mon dieu. Oh. La deuxième de la... Le Médoc. Ah ouais. C'était la dernière, ok. One more batch of supplies to fight. Non, c'était l'avant-dernière, c'était la deuxième des trois. Et après, je pourrais me barrer d'ici. Oh là là. C'est un vrai mur.
Ouais, on y croit, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Par contre, ma question, c'est où est la suite? Le Sage Power. Je pense que la suite est à un autre étage. Non, j'ai rien à faire là. Ça, c'est le faux mur. Ah bah, au moins, je serais pas revenu pour rien. Ouais, mais il est limité dans le temps, le radar. C'est chiant. Je l'avais tout à l'heure, et puis là, pouf. Les batteries ont lâché, je l'ai plus. La suite, c'est pas par là-bas? Non, c'est fermé. Ouais, mais je vais pas redescendre. À mon avis, il faut que je continue de monter. Ah, ça va être le plus chiant. Retrouver le... La suite, en fait. Comment ça, je l'ai fait? Ah, peut-être pas. Je l'ai fait, ça. Je l'ai déjà fait, il faut pas que j'en revienne là. Oui, non, mais n'hésite pas à tester les commandes, y a pas de soucis, SDR. T'as bien raison. Je pense pas que la suite soit par là, si. Mais là j'ai déverrouillé le bazar. Après c'est quoi? Non, c'est là où j'avais la caisse que je viens de trouver toute proche. Et ça me dit pas où est-ce que je dois aller. Je suis perdu, les doigts dans le U. Aïe aïe aïe. En plus, la musique, je trouve qu'elle est, elle fait compensation quand tu tournes en rond comme moi dans ces moments-là. À retrouver ton chemin dans les cartes gigantesques. Allô. Je sais plus ce qu'il y avait là. C'était un cul-de-sac ce sas-là, non? Non, il y avait l'interrupteur et puis c'est tout. Il y avait la carte qui me disait où j'étais. Mais vas-y toi pour retrouver ton chemin. Ouais. Vas-y pour retrouver ton chemin.
Oh, j'ai peur. J'ai cru que la porte s'était transformée en mur de briques. N'importe quoi, moi. Je me suis décalé dans le... Et j'en viens d'ici, moi. Ça, c'est déjà fait, normalement. Il y a mes potes des squats qui sont paumés dans cet entrepôt. J'ai plus rien à y faire ici, je crois. Je dis bien, je crois. Oui, la suite, elle est pas par là. Ah pardon, mais là on va encore tourner en rond pendant un quart d'heure, si ce n'est plus. Ouais, on, ça je l'ai activé, là il n'y a plus rien. Ça c'est fait. Si je remonte par là-bas, je me repère, je sais plus où. On, ouais. Tac, tac, tac. Apparemment, je peux passer par de là le truc. Enfin bon, bref, je pense que si je fais le tour bêtement, ça simplifiera les choses. Voilà, je crois que c'est ça en fait. Oui, en gros, c'est... Ah, attends, non, c'était pas si simple que ça. Non, non, la pièce là, elle est un peu plus exiguë de l'autre. Attendez, j'ai un soupçon là. J'ai un soupçon de pas avoir fait un truc. À mon avis, je sais plus si j'étais passé par-delà ces caisses. Il y a un intérêt à aller au-delà de ces caisses. Mais il faut que j'arrive à bien sauter. Voilà. Ah non, c'est un entrepôt à la con. Non, au secours, c'est un cauchemar. Bon, il y a rarement des trucs sur les caisses. Ah non. Ouais, j'ai fait l'interrupteur on-off, donc c'est pas par là. C'est la déception, c'est ça. Ah, mieux. Voilà, sauter latéralement, et voilà, là j'y arrive. Donc, c'est pas le secteur là. Il y a mes copains qui sont perdus dans ce secteur-là. Je finis par avoir l'habitude. Merde, homme. J'espère que je vais retrouver mon chemin avant midi, là. Bon, c'est une limite large, mais sans déconner. Si à midi, je progresse pas... J'arrêterai la transmission pour ce matin et je chercherai hors antenne pour moi la suite comme je l'ai fait précédemment, histoire de pas vous faire glandouiller à mort. Mais là c'est vrai que... Attends, si ça correspond à ça, les autres portes correspondent à quoi? Ça, c'est là où j'ai mon escouade qui est dans l'entrepôt. Et ça c'est quoi? J'ai déjà plus à quoi ça correspond. Putain, j'ai le cerveau qui dit... Ah oui, c'est un cul-de-sac ça, je crois. C'est... Ouais, c'est l'interrupteur avec le cul-de-sac et il y a le plan qui me rappelle où je suis. Qui me dit que je suis là. Et je me demande si j'ai fait la partie à part, là, en dessous de level 3. Je me demande si j'ai fait cette partie-là ou pas. Il y a un long corridor qu'il faut trouver. Donc il faudrait que je sorte de là. Que je prenne je sais pas quel chemin pour faire tout le tour et revenir à... C'est bizarre.
Là avec mon curseur de ciblage. Voilà, la partie là, est-ce qu'on vient de là ou est-ce qu'on doit y aller? Je ne sais plus. Il y a aussi ce mystérieux carrefour en plus. Et quand je dis carrefour, c'est pas la grande surface. Mais là, il n'y a pas de débouché, c'est bizarre. Là aussi, c'est un étrange cul-de-sac. C'est le cordon ombilical du supermarché, ça. C'est waouh. C'est dur. Ouais, tu sais plus non plus. Hein. Ouais, c'est ça te retourne le cerveau là au niveau disposition des lieux. Quelle la folie. Pour moi, ça c'était la suite, mais apparemment c'est fini. J'ai récupéré la caisse. Je vais pas. Ouais, j'ai déverrouillé. Je vais pas rester là. J'essaye de revenir au-dessus du début. On a déjà vu hein, une mission précédente où j'ai dû revenir méchamment sur mes pas pour progresser. Donc là, je vais essayer de revenir carrément au tout début. Je sais plus où c'était d'ailleurs. Mince. On va voir. Heureux, Olive. Du coup, t'as fait un petit somme, t'as fait une petite sieste. Je suis curieux, Olive, du coup. T'as réussi à récupérer ou t'as somnolé? Ah bah non, je viens de là, du coup. J'avais déjà fait par ici, non? Ah! Ah non, il veut pas que je prenne des munitions. Ah ouais! Ah ouais, ça t'a pas arrangé ta situation. T'es encore plus dans les vapes. Ah merde! Hein, du coup? Putain, il m'a fait peur ce con. Wouah, le membre de ma propre escouade qui m'a foutu les jetons. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Merde, tu me manges une caisse en pleine obscurité. Ça, est-ce que j'ai fait? Oh là là. Je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Yep, je récupère du matos. Mais la question c'est où est-ce qu'on doit aller? On, ouais, j'ai activé le truc. Oh, la carte, elle est immense. Ah oui, il y a des trucs bizarres. Oui, il n'y avait pas un truc où j'étais bloqué tout au fond. Ah, c'est peut-être par là la suite. J'ai un vague souvenir. Je crois que j'étais bloqué, que j'avais dit qu'il fallait que je revienne en arrière parce que j'avais pas libéré les membres de l'équipe. Attends, c'est intéressant par ici. Ouais, la porte s'ouvrait pas ici, souvenez-vous.
La porte s'ouvrait pas parce que j'avais peut-être pas fini de faire le ménage. Elle s'ouvre toujours pas. Si, c'est une porte. Merde. Je pense que ça, c'est l'évacuation finale. Ce secteur-là, mon avis, c'est par là que je me barre une fois que j'ai les trois caisses de médoc. Sauf que j'ai que deux caisses de médicaments. Où est la troisième? Je sais pas du tout. Mon avis, elle doit être à un autre étage que j'ai pas trouvé. Ça va être encore une histoire d'étage comme la mission des missions précédentes. Ouais, tu m'étonnes que moi aussi j'y ai cru. Ouais, le on, j'ai activé l'interrupteur. Faut tout mettre sur on dans ce jeu. Sans quoi tu progresses pas. Merde. Que c'est. Attendez, mince, je me bloque. Ah ouais, non mais là les cartes sont immenses. Oh là. Oh! Je l'ai pas buté lui. Ah! On progresse! Alerte, on progresse. J'ai déverrouillé un truc. On va revenir dans la dite salle où je disais que ça s'ouvrait pas. J'ai peut-être trouvé un truc. Alerte, progression. On y croit. Et ça, c'est pas un faux mur, je me méfie maintenant. Ouais, non, c'est un vrai mur. Alors, la suite, messieurs dames, la suite. Youpi. Ouais. Ouais. Je suis tellement content que je vais me faire mon propre GG. Allez hop, c'est offert par la maison. Voilà. Ah, Porsche Win, faut que je le vire. Alors Porsche Win, c'est une des icônes qu'ils ont virées dans le... Merci pour les GG, SDR. C'est une des icônes qu'ils ont virées dans ce qui était disponible et ils en ont remplacé par d'autres. Donc du coup, ça flingue des trucs que j'ai programmés il y a 6 mois. Voilà. Mince, plus les GG, c'est pas comme ça que je voulais le faire, mais c'est pas grave. Il y a eu un espace, ça c'est la correction orthographique automatique de ma tablette. J'ai changé de flingue, j'ai plus de munitions là. Je vais y aller au sacro-saint fusil à pépon. Belle fusil à pompe militaire. Parce que Yakocha devrait... Ok. Ok. D'accord, c'était juste un grand entrepôt. Tu sais, je m'attendais à une autre salle avec une porte et continuer. Non. J'ai déverrouillé encore un truc, mais je sais pas quoi. Oh merde. Alors, quel truc refusait de s'ouvrir et je sais pas ce que c'était. Non, mais on voit que les concepteurs du jeu ont abusé sur la notion de aller du point A au point B. A chaque fois, tu vas dans tous les extrêmes de la... Toutes les extrémités de la carte. Qui, je le rappelle, est énorme. Non, ça, c'est un autre coup lambda. Mince. Pardon. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé aux confins de ce supermarché qui est une ville dans la ville. Déjà en face, est-ce qu'il y a une porte en face? Ça aussi je l'avais déverrouillé. Le on, je sais pas quoi.
Attends, là je redescends. Mon but n'est pas de redescendre. Il faut que je reste à l'étage. Il faut que je reste à l'étage. Ouais, c'est là où il y avait l'entrepôt, l'équipe bêta qui avait été zombifiée, je les avais trucidés. Ça, c'est quoi ça? C'est la suite ou pas? Cette porte ne s'ouvre pas. Ah, cette porte-là, si. Ah, étage suivant. Oui, mais l'étage suivant. Ah, l'étage suivant, je l'avais fait, mais peut-être un peu trop tôt, parce que j'avais peut-être trouvé la caisse. Alors que. Je pense que j'ai trouvé la caisse dans cet étage-là. Alors que j'ai pas trouvé dans la. Je pense que c'est ça. J'ose espérer qu'il y a une logique dans le jeu. Et en fait, j'ai pas trouvé la caisse de Médoc dans l'étage intermédiaire. Ça explique pourquoi j'ai déverrouillé encore un truc en bas. Je présume que l'action qui me reste à faire est dans cet étage-là. Mais reste à savoir où. En espérant, je dis bien, que le jeu soit logique. Qu'il ait un peu de bon sens dans sa conception. Et honnêtement, j'espère que je vais moins galérer dans les couloirs dans GIGN Task Force que je vous ferai au 1er janvier. Non, ça c'est pour descendre. Je veux rester à l'étage là, moi. Je pense que c'est à cette attache que j'ai loupé une caisse de Médoc. Tu me diras, je suis plus sûr de rien, parce que c'est là où il y avait le... Il y avait l'équipe bêta et je l'avais sauvé, l'équipe bêta. Ah! J'avais pas ouvert ça. Ouais, toi aussi t'en doutes. Toi aussi t'en doutes, ouais. Bon, j'ai activé un interrupteur. Donc, c'est toujours ça de pris. L'interrupteur de quoi? Je sais pas. Je suis déjà passé par là. Oh, les dédales de fou. Oh là là. Je suis où quand je suis ici? Je suis au niveau 2, je suis ici. Oh la vache. Oh. Au secours. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Cette porte-là est toujours scellée. Bon. Là, je vais me barrer à l'étage supérieur. Je m'avance sans avoir la moindre conviction. Je ne sais plus. Je suis complètement largué. Bon. D'ailleurs, attendez. Attendez, je suis en train de raisonner là. On a vu level 3 et level 2. Niveau 3, niveau 2. Or. Comment j'ai débarqué sur cette grande surface là? Je suis arrivé par les toits, on m'a déposé sur un toit. Ce qui voudrait dire que la troisième et dernière caisse de Médoc, elle serait rez-de-chaussée. On n'a pas exploré le niveau 1.
Il faut que je cherche à descendre dans le supermarché. Je suis en train de faire le résumé de tête de tout ce que j'ai fait. Il faut absolument que je descende. Voilà. Ah, t'as perdu. T'as perdu, Olive. D'ailleurs, une des rares et dernières références à Franck. Oserais-je dire qu'il nous a quittés. Ça parle mal. Enfin, qui a mis fin à sa chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Attends, là, c'est verrouillé. C'est verrouillé, mais je me demande si la suite, elle est pas là. Ah oui, bah oui, j'en ai mis un peu partout, SDR. Ouais, je rechangerai. Donc, faut que je relise mon jeu de la pêche, je mémorise. Donc, je rechange le jeu de la pêche. Ah! Je redescends. Ça, c'est bon signe. Le fait de descendre, c'est très bon signe. Ouais, l'entrepôt, d'accord, mais... Attends. J'en profite pour prendre un max de... Ouais, et du bon lait. J'ai pas souvenir d'avoir fait coulisser ce panneau. Attends, je commence à douter. Je me souviens plus cet endroit. Je suis déjà passé par ici. Apparemment. Ah, mais c'est le tout début. Attends, je deviens ma boule là. J'avais dit que j'étais arrivé par le toit, mais non, je suis arrivé par le rez-de-chaussée. Ah, là, ça remonte. Oh merde. Attends, je suis arrivé par le toit, mais en prenant un escalier de service qui est en colimaçon. Voilà, j'étais arrivé par là. Mais en fait... Oh la merde. Ça y est, j'ai compris. Vous avez pigé la progression du niveau. Là, je suis sur le toit du supermarché. Le début de la mission, en fait, j'ai descendu l'escalier de service pour me retrouver au rez-de-chaussée. Et il faut qu'à nouveau que je remonte les étages et qu'à chaque étage, apparemment, je récupère une caisse de médoc. Mais il faut que je remonte les étages via un autre escalier. Ce qui fait qu'il faut que je réatteigne le niveau 3 que j'avais atteint tout à l'heure. Et c'était l'opposé. Mais à moins que j'ai loupé dans l'un des étages intermédiaires une caisse de médoc. Sur les 3, j'en ai que 2. Où est la caisse de médoc qui me manque? Sans déconner, je crois qu'on est parti pour arrêter à midi parce que je tourne en rond pour rien. Il faudra que je trouve la... Il faudra que je trouve la soluce. Il faudra que je trouve la solution de mon côté hors antenne. Et quand j'aurai décongestionné la situation, c'est le cas de le dire, je republierai la suite de mes aventures. Parce que si c'est pour vous faire... Ça, il est trop bizarre, le coin, là. Là aussi, ça fait... Putain, mais je suis dans le noir absolu, là. Attends. Ça me donne accès à rien. Putain, c'est trop bizarre. Là aussi, il y a du... Ah oui, il y avait un truc. Mais je vois rien, je suis dans le noir absolu. Mais c'est quoi ce délire? Au secours! Ah. Je deviens fou. Bon, au moins, je récupère du matos. Attends, il y a là et il y a là aussi. Non, là, c'est pour faire le tour du bordel. Ok. Donc on s'en moque, c'est fait.
Ouais, jouer à Tetris, c'est moins compliqué, ouais. Ouais, une torche, lampe torche, ça va pas être trop, oui. Ouais. Attends, light, non, ça fait rien. De toute façon, on avait repassé en revue les touches clavier. Donc je pense avoir cerné la logique de ce niveau qui est pas piqué des hannetons. Voilà, là je progresse. Tout proche, il n'y a pas un escalier. Non, là il y a une grande... une grande surface. Oh le dédale, toi. Voilà, là je monte. Je monte des escaliers, ça c'est bon signe. Après, pour monter à la suite, je fais comment? J'ouvre le rideau, c'est ça? Et j'ai accès à un autre escalier par là-bas, non? Attends, je cherche du coup à remonter dans la grande surface. Voilà. Eh, j'arrive à mémoriser un peu quand même. Hein. Je finis par comprendre la logique des lieux. Donc, est-ce que je peux... Voilà. Je peux ouvrir le rideau là. Et à un moment, il doit y avoir un accès escalier supérieur. Et ben, c'est là où j'étais, non? En face, ça donne sur quoi? Ah, oh, ça donne le bordel là. Oh, je pense que la solution est à cet étage. Mais où exactement? Là, on est d'accord, j'avais trouvé la caisse de Médoc numéro 2. Je pense pas qu'il faille que je retourne ici. Je pense que c'est en face. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement, qui doivent se retrouver dans le jeu. Là. Je suis même par douter à me dire, est-ce qu'il y en a qui ont fini le jeu? Faut persévérer comme c'est pas permis. Oui, là on est d'accord, on est au niveau 3. Voilà. Voilà le plan de du niveau. Ah, donc la partie là, est-ce que je l'ai faite? Je crois pas. Comment je fais pour accéder à ça, moi? Ça m'intrigue. Les membres de mon escouade. Non, c'était la partie entrepôt, on s'en fout. Merde, merci, rouvre-toi. Ça fait toujours plaisir de se prendre une porte dans la tronche. Là aussi, je crois que ça correspondait à rien. Ça, c'est... On est d'accord, oui, il n'y a qu'un accès. Ça, c'était là où il y avait la dernière pièce de Médoc. Dans mes souvenirs. Ouais, là, j'avais fait on le truc. Oh là là. Bonjour, tu es une scène. Oh là 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 là. Je suis complètement largué dans la plus grande surface américaine au monde qui soit là. Je suis complètement perdu dans le niveau. Avec ça, j'espère que tu vas bien, tu es une scène. T'arrives à un moment où je risque d'arrêter parce que là, je tourne vraiment en rond. J'arrive plus à trouver mon chemin, ça devient saoulant.
Il va falloir que je trouve la solution antenne. Et les cartes de niveau sont monstrueuses dans le jeu. C'est immensément grand. C'est quoi ça? Non, je reviens là. Là, ça s'ouvre le rideau? Ah oui. Oui, il y a le coup de la main. Le poste. Sans déconner, ça, c'est un repère. Le poster avec la main, c'est un vrai repère. Ah, oh, cette porte s'ouvre pas. Je pense qu'il faut que je la déverrouille pour accéder à la suite de la mission. Mais où est l'interrupteur pour la déverrouiller? Parce que là, je redescends. Oui, là, je redescends, c'est pas bon. Oh, merde. Merde, il n'y a pas un interrupteur qui m'a échappé. Ah, oh, ce jeu de fou. J'ai la partie là. Ça, est-ce que je l'ai fait? Mais oui, je l'ai fait. C'est l'entrepôt à la noix. Cul-de-sac, ouais, le verrou est sur on, donc j'ai ouvert le bordel. Oui, c'est là où il y avait la caisse. Moi, j'ai mis le truc sur on à l'autre bout. C'est que je suis déjà passé par là. Et j'avais récupéré la caisse. La caisse de Médoc. Ah, ça me. Le jeu est en train de me liquifier le cerveau. Faut pas cliquer sur le poster quand même, non? C'est jamais. Il aurait pu y avoir un truc fourbe, déjà un interrupteur derrière le poster. Ouais, il est midi, je pense que je vais arrêter parce que je tourne vraiment en rond là, je progresse plus. Je suis redescendu à l'étage intermédiaire, mais... L'étage intermédiaire, on est d'accord, c'est là où il y avait l'équipe bêta qui avait été enfermée et zombifiée. Oui, c'est ça, je reconnais les lieux. Donc ça peut pas être à l'étage là. Je pense pas, c'est pas logique. C'est pas logique. Il me dira là non plus, je peux pas ouvrir la porte. Quand je vais là, je tombe sur un escalier. Mais... Attends, je vais vérifier une dernière chose, hein, puis si j'y arrive pas, tant pis. Donc ça peut pas être là. L'escalier doit être à l'opposé. À l'opposé en face. Soit par là, soit par là. On est bien d'accord, là il n'y a pas d'escalier. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de... Ça c'est la grande zone de fou furieux. Et ça c'est une autre zone de fou furieux aussi. Donc il n'y a pas de quatrième étage. Là je suis proche de toi. Mais où est la caisse qui me manque? Non, j'ai déjà fait cette zone. Merde, pardon. Oh, il y a des bugs de collision, c'est chiant. Là, il y a mes membres d'escouade qui attendent dans le repos. C'est là où j'avais trouvé la dernière caisse. Et il n'y avait rien d'autre derrière.
Comment ça, je sais pertinemment que c'est un cul-de-sac. Ça, je sais même plus ce que c'est. On, ouais, voilà, j'avais ouvert le truc. Là, il n'y avait plus rien. Ouais, je me souviens avoir fait le ménage au niveau des zombies. Et la dite caisse était là, des médocs. C'était la récompense de l'étage. J'avais accompli ma mission. Merdoum. Merde, je tourne en rond. J'ai pas pris la bonne intersection. Ouais, ouais. Là, c'est le miracle de la... Non, mais ce qui va se passer, en fait, c'est que je vais tourner en rond comme un ego pendant des heures hors antenne. Je vais pas vous faire subir ça parce que ça devient vraiment lourdingue et chiant. Mais c'est comme le précédent niveau. J'ai loupé un truc. J'ai loupé une portion du supermarché. Reste à savoir où c'est dans ce dédale immense. Qui est ce supermarché américain. Voilà, on. J'ai bien activé le truc. Oh la vache. Non mais ceux qui n'ont pas le... Ouais, merci SDR. Ceux qui n'ont pas le sens de l'orientation, mais laisse tomber quoi. Comment ils doivent rage-quitte sur le jeu. Mais j'ai déjà fait la zone là avec l'entrepôt à la noix. Faut sauter par-dessus les caisses et c'est nul. Ah, je gémis de douleur, j'en peux plus. Non, je tourne en rond, je retrouve même plus la porte, le bon chemin. D'ailleurs c'est con, mais c'est les caisses à escalader en fait, le bon chemin. Faut-il encore que je prenne les bonnes caisses? C'est cette caisse à la noix qui est la sortie. Voilà. Ouais, je suis figé. Ah oui, je suis figé au niveau de la caméra. Oui, j'ai tiré sur le câble sans vouloir. Ça, c'est à force de bouger des... Comment on appelle ça? Des pieds. J'ai tiré sur le câble sans vouloir. Bon, j'ai retrouvé un truc à Uzi. Ouais, non, mais là j'ai sabordé sans vouloir ma webcam, j'ai tiré sur le câble, c'est ma faute. Excusez-moi, vous voyez plus ma tronche. Encore que je présente bien, en figé là je suis pas mal. C'est rigolo. Ah, merdoum. Merdoum, crotium, chotium. Excusez-moi du peu. La logique voudrait que ce soit là. Mais non, là c'est l'escalier pour redescendre. Bon, bah écoutez, pardon, j'ai sauvegardé là. Je vais appeler ça reprise. Et puis en off, je vais essayer de me débrouiller à... Ah, attendez. Ah. En plus, le fait d'arrêter, ça va... Oh putain, le câble est tendu. Ouh là là, attendez, j'ai un problème. J'ai un sac de nœuds, j'ai les câbles qui sont emmêlés, comme c'est pas permis, c'est pas bien. Minute papillon, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. J'ai quand même pas roulé avec mon siège sur le câble. Qu'est-ce que j'ai fichu? Un instant, je vous prie. Ah non, mais le câble, il est tendu à mort. C'est pas normal. Je devrais pas avoir le câble du clavier qui soit tendu comme ça. Voilà, c'est déjà mieux. Alors... Key game. Voilà, vous voyez en énorme, c'est monstrueux, c'est horrible. Webcam. Je vais revenir. Désactiver, activer. Oh, magie du démon, je suis revenu. C'est bien, je vais pouvoir vous saluer comme il se doit. Hic, pardon. Ah là 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 là, voilà. Oh. Eh ben c'était bien. Écoutez, on a démarré quoi? On a démarré quasiment à 9h pétante là.
Mon logiciel devrait me dire que j'ai fait 3 heures de diffusion au moins. Ouais, c'est ça. On a fait 3 heures de fou furieux. Oh là là. Eh ben, c'était cool. Merci à vous d'avoir été là. Alors, ah oui, il faudrait que je regarde si je peux vous faire un raid. Alors, conditionnel. Je vais peut-être rediffuser en fin d'après-midi. Peut-être à partir de 18h jusqu'à 21h. Mais ce sera sûrement un autre jeu là, parce que faut varier les goûts, les couleurs, les plaisirs. Je vais peut-être diffuser entre 18h et 21h et faire relais de chaîne à Fun Fan à ce moment-là pour le Doom du soir. Ce soir, Fun Fan nous fait du Doom. Il va nous régaler aussi un peu avec du boum boum FPS bien bourrin. Si je ne diffuse pas en fin d'après-midi, moi je vous retrouverai avec grand plaisir demain matin. Demain matin, je crois que je l'ai déjà noté dans l'agenda. Je crois que je fais. Ah oui, j'ai envie de refaire le Paris-Dakar sur PS2. Demain matin, je referai du Master Rally. C'est vraiment une ambiance de Paris-Dakar. J'ai très envie de refaire ce jeu. Je l'avais déjà fait une première fois dans la phase de test. Je vais faire mes courses en début d'après-midi, moi en plus de mon côté vie privée, mais je profiterai de l'après-midi, entre autres choses, à continuer à travailler dans la coulisse de ma chaîne encore et encore. Il faut absolument que je programme cet après-midi mon plan de tout ce qui est le jeu tableau mystère. Là, on voit la petite icône du tableau mystère. Il faut que je travaille ça pour qu'on puisse y jouer dès le 1er janvier. Ça fait partie de l'inauguration de la chaîne. Voilà, je remets le. Oh mon Dieu! Non, je me suis trompé. Je me suis trompé de plan. Voilà, voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ah oui, tu bosses cet après-midi. Bah, bon courage pour le taf, Olive. Je vais avoir une pensée pour toi l'après-midi, là. Donc, alors, voilà, c'est pas sûr, mais je pense que je reprendrai l'antenne à partir de 18h ce soir. Sinon. Je vous dis qu'on se retrouve à 21h chez l'ami FunFan pour Doudoum. On verra. On verra de comment j'avance un peu dans mes courses, ménage et travail dans la coulisse. Je vais prendre aussi vraiment du temps pour moi hors écran pour souffler un peu. Mais c'était génial. Franchement, la matinée, là, je suis content. On a bien avancé dans le jeu, qui est vraiment pas évident. Hein. Punaise. Je suis ravi qu'il me tienne en joue, enfin qu'il me tienne en haleine. Aussi longtemps. Merci pour le live, peut-être à ce soir vers 18h ou demain. Ouais, on verra, voilà. Merci tout plein. Ah oui, merde, j'avais dit qu'il fallait que je regarde pour un relais de chaîne. Alors je fais les salutations, mais je programme même pas le relais de chaîne. Le mec qui est archi naze. J'ai qui diffuse chez les copains là. Minute papillon, attendez voir que je. Oh bah je vais vous mettre chez. J'ai que Bazou qui fait quelque chose. Qui fait du Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est. Je sais pas ce qu'il fait, c'est spécial le Yu-Gi-Oh! Bon, ça va me permettre de dire bonjour à l'ami Bazou rapidement. Alors attendez. Studio vidéo. Je reviens à mon gestionnaire de stream d'ailleurs, dont je devrais déclarer que je suis en plein papotage avec vous. Et non plus dans le last rite. Voilà, tac, tac, tac. Si je fais bien mon taf, je dis que je suis en just a chatting, qu'ils disent les Anglais. Mais oui, français. Ah! Au secours! J'ai cliqué sur un mauvais truc. Waouh, panique on board. Discussion, tac. Voilà. Là, au moins, je fais un truc correct. C'est Bazou. Merde, je sais plus, c'est Bazou 42, je crois. Au secours, j'ai pas retenu le. Ah le con! Ah, je me retrouve plus dans l'interface. Ah bah non, lancer un raid sur une chaîne, je peux le faire par là. Bah oui, c'est encore plus facile. Il n'y a qu'à cliquer. Donc bisous tout plein. Il est possible qu'on se retrouve à 18h tout à l'heure ou à partir de 18h. Bonne pause, bon appétit à vous, bon déjeuner. Bon après-midi, je vous souhaite toujours évidemment le meilleur. Merci d'avoir été là. D'ailleurs, je vais essayer de manier mon cul cet après-midi et balancer des vidéos en retard, des directs sur ma chaîne YouTube. Il faut que je le fasse aussi. Merci, merci tout plein. Voilà, je vous laisse même les comment on appelle ça, les coordonnées si vous voulez me contacter.
Enfin, ça, vous les connaissez déjà, je balance tout. Voilà, n'hésitez pas à relire le chat. Et zo, on va chez l'ami Bazou. Ciao, ciao. Je sais pas, il fait un jeu de cartes, ouais. C'est... Voilà, 2 secondes. 1 seconde, c'est parti. Non, il faut que je lance le raid manuellement. C'est parti. Oh là là. Mais non, mais je m'en moque. Pourquoi il me lance le... Ah, c'est pour dire bonjour à Bazou. Ah, c'est pas con. Ça me met le chat chez qui je fais le raid pour dire bonjour. Bonjour Bazou. Ah, c'est bien foutu. Bonjour Bazou. Ah merde, il dit qu'il faut que je m'inscrive pour... Ah là là. Bon, attendez, je vais couper le bazar. C'était vachement bien. Merci tout plein. Merci côté YouTube. Je vais couper. Hop là. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé YouTube. Ciao, bisous.